Salut, cher Préville, donc nous souhaitons bienvenue, bon sabbat. Comodidad. Servicio 24/7. Lo bueno es que hay Vivi. Protector solar que ayuda a reducir manchas. Prueba Eucerin Sun Pigment Control. Un salut, sœur Monique Gentil, et un salut également pour Alex. On souhaite nous bienvenue. Bon sabbat. Et bon sabbat à vous, mes amis et frères. Bon Dieu bénisse. Merci, frère Garvey. Bon sabbat. Salut, frère Josué Toussaint. Donc, nous souhaitons bon sabbat. Bienvenue. Et ceci lien. On souhaite au bon sabbat, bienvenue dans le salon. Bonsoir, André. Bon sabbat aussi. Bon sabbat à tout le monde qui est déjà sur plateforme, non? D'accord, merci beaucoup. Bon sabbat.
Nous saluons Sœur François-Joseph Germy. Nous souhaitons bon sabbat et bienvenue. Nous saluons Sœur Thierry Abélard. Nous souhaitons bienvenue, bon sabbat dans le Allô, allô, Sœur Maud? Sœur Maud? Oui? C'est Nadine qui a fait pour partir à la Sœur. Bon, ok, good, good, good. Ok, vas-y. Et à toi encore, nous l'avons prié, nous, pour que nous venions chercher présence, pour nous être capables de commencer avec le programme. Nous avons passé sur Rose Nadine jeudi, Nico, pour la première partie, pour que nous gagnions 30 minutes pour se sentir grâce à l'Esprit. Nous souhaitons à nous chacun qui a une bonne participation dans le programme. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'était pour dire bonsoir à chacun de vous qui est présent en ce moment, quel que soit côté où vous retrouvez, quel que soit appartenance religieuse ou shalom. Et bienvenue dans ce moment que nous allons passer dans la sanctification. Elle a débuté avec le numéro 280, Hymne et Louange. 280. Père, je viens à toi, je t'aime.
soulage tous mes maux. Je mets pardon et sois mon seul repos dans le mal. Pareil chancelant que ton bras puissant dans ton faible enfant fort sévite. Peigne-toi, chérie, au tour d'elle, ne pas te danser toujours dans le mal. Ton soma que moi, par ta grâce, ô mon roi, je marche vers toi jusqu'à là. Conduis-moi par la mer, tout le long du chemin, et que j'arrive enfin au divin port. Père, couper tête nous capable faire un coup de prière. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, nous disons merci pour journée ça au fait que nous passer en bien et maintenant nous réunis pour nous capable chercher présence nous demandons tant prier pour va assister nous permettre que nous capable passer un bon moment à tes pieds et après nous capable sentir que nous te joignons parce que nous cherchons avec tout cœur. Béni moment pour nous, nous demandons toute faveur ça au nom de Jésus, qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Tu vas avec le numéro 499. Entre tes mains, j'abandonne. 489, excusez-moi. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout bonheur. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets personne, Seigneur, d'en reprendre mien.
entre tes bonheur, tes mains j'abandonne. Entre tes j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Personne ne Seigneur d'en reprendre. Oui, prends tout, c'est entre tes mains, j'abandonne ta parole. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta. Oui, prends tout, oui, pour tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi. Lisons dans le psaume. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque.
de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Donc est ce roi de gloire, l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Amen, nous allons prier, nous allons demander au monde, ce groupe-là est disponible, il est capable de faire une prière de confession au peuple-là. Une prière de confession. N'importe monde qui est disponible. Mon âme flamme, car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre, je te livre mon cœur. Viens mon âme, mon bonheur est tout à toi, je t'adore, je nous tenons à te remercier pour ta grâce et ton amour manifesté à l'égard de chacun d'eux. Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Nous qui vivons en Haïti, Seigneur Dieu, tu as déployé tes ailes pour nous protéger malgré les vicissitudes, malgré les duretés, malgré toutes sortes de problèmes que nous rencontrons au cours de cette vie, Seigneur, tu as toujours été révélé pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne nous manque jamais dans la détresse. Seigneur éternel, notre Dieu, nous sommes éparpillés à travers ce groupe. Nous voulons rechercher ta face bénie. Nous voulons te demander pardon pour nos péchés. Aide-nous à reformer notre vie, à être des chrétiens authentiques qui propagent ton évangile partout où nous passons. Que tu mettes ton étiquette sur nous, Seigneur Dieu. Que tu nous permettes de pouvoir vivre en ces temps difficiles avec la dignité d'être chrétien et de pouvoir témoigner ton nom partout où nous passons. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié pour chacun de nous qui est sur ce groupe. Et non seulement chacun de nous, mais il y a d'autres personnes qui écoutent à travers d'autres réseaux. Mais Seigneur, nous te demandons, oh Dieu, de bien vouloir nous pardonner, de nous remplir par la puissance du Saint-Esprit, afin que nous soyons prêts et soyons sur nos gardes. Quand tu reviendras, nous serons parmi les sauvés pour chanter les Alléluia sans faire hosanna au plus haut des cieux. Sans attendre, je veux tendre au bonheur. 283. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Donc en route, point le doute, le
Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie à l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assis pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assis pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche en intégrité. Délivre-moi, aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Amen. Nous allons faire notre prière de consécration avec Sarahel. Nous allons faire une prière de consécration. Nous allons faire une prière de consécration. Nous allons nous couper tête avec Sarahel. Côté que nous remettre tout bagay bay bon Dieu, ça nous te saute li nan somyo. Nous attendez? Nous là? Nous prière de consécration.
à mes yeux, je suis capable de prier. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, celui qui est, qui était et qui vient, l'univers est rempli de sa gloire d'éternité en éternité. Céleste Père, nous voici devant ta face bénie, en vue de te prier, en vue de rechercher ta face, de nous rapprocher plus près de toi. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, merci pour la vie que tu nous as conservée. Nous te demandons de nous consacrer à toi, de nous donner ton Saint-Esprit, de nous rapprocher plus près de toi. Nous te demandons de nous bénir. Permets que ce moment que nous passons à tes pieds puisse nous fortifier la foi, puisse nous rapprocher plus près de toi, afin que quand les autres nous voient, ils puissent voir Jésus en nous. Permets que quand les étrangers nous voient, ils puissent voir que nous sommes tes enfants. Bénis-nous, accompagne-nous, bénis chacun de nous, bénis le programme de ce soir. Permets que nous puissions aller au ciel avec toi. En Jésus, nous t'en prions, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Reçu la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage. 92. Mais le conduit, ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'est clair. L'étoile, le étincelle pour vous guider au nos chemins, qui gardera la scène des cercles et des rochers. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle et sauve tout l'eau dans la nuit. Il m'environne de ton nom, ô Jésus, que par moi l'éclair aux yeux de Dieu, ô Sauveur, que ta lumière soit sur les flots et vers le ciel qu'elle claire et sauve ange pour nous capable dire ou saint ou grand ou adorable d'éternité en éternité. Seigneur éternel, nous voulons demander pardon encore pour péché nous. À chaque instant nous fait ça qui pas bon devant yo. On va laver nous purifier nous tant doué père. Ba nous Saint-Esprit inonde nous avec puissance Saint-Esprit et ainsi qui capable diriger toute la vie nous façon nous penser, façon nous parler.
façon nous vivre chaque jour capable influencé par Saint-Esprit, ainsi Seigneur nous capable de marcher de victoire en victoire jusqu'à ce que vous retourniez dans la gloire ou capable de venir prendre nous ensemble avec vous pour 1000 ans dans le ciel et pour l'éternité sur la terre restaurée. Bah nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, bah nous les fruits de l'Esprit, permettre que chaque jour Seigneur nous capable de transformer à image ou ainsi Seigneur nous capable vive vous plaisir et vous capable prendre plaisir dans la vie nous. Tant d'écrit nous pas bon, nous pas mérité pour nous demander toute grâce et faveur ça yo, mais c'est dans le nom de Jésus de Nazareth, à lui revienne la gloire, l'honneur, la force, la toute puissance au siècle des siècles. Amen. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les pour faire place pasteur Villers-Zéora, nous allons chanter un couplet du numéro 135. Livre sacré, lumière étincelante qui de la nuit perçait l'obscurité, révèle à tous ta bonté rayonnante et dans les cœurs fait briller ta clarté. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour, conduis mes pas dans le pèlerinage ou vers le ciel. J'avance chaque jour. Notre Créateur, notre Dieu, notre Père, Seigneur, tandis que en ce soir encore, nous sommes réunis à tes pieds, envie de rechercher ta face, envie de te louer, envie de t'exalter pour tout ce que tu as fait. Le moment est venu, Seigneur, où nous allons ouvrir ta parole. Nous te demandons, oh Dieu, de bien vouloir nous remplir par ton Saint-Esprit. Assiste-nous, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Toi, Père. Nous comptons en pile à Soya pour que nous capables ensemble. Et dans le moment de prière, ça, le moment que nous avons cherché pour nous ressourcer nous. En tant que chrétiens, à chaque fois que nous sentons nous faiblis, nous devons chercher la présence de Dieu, capable de eh remplir nous de force et assoyer à nous là encore pour nous passer 3 heures au pied du Seigneur pour que nous soyons capables de chercher puissance. Et nous, aujourd'hui, à sabbat, ça a marqué dernier sabbat dans le mois de novembre. Et nous t'a dit que c'est le 47e sabbat dans l'année 2023. C'est le moment pour que nous soyons capables de dire, mon Dieu, merci, nous sommes capables de louer nous pour eh bien, ces 47 sabbats déjà passés en bien à l'ombre ou les 16 ailes. Nous avons entré directement dans le sujet, nous avons fait continuité de chapitre 19, qui c'est Lumière et Ténèbres. Les amis nous ont déjà ouais pendant ce maintenant, mais nous après comment capable terminer avec chapitre là soya et nous pratiquement moi-même une version électronique pas qu'à vraiment identifier qui est paragraphe et numéro témoin exactement nous arrivé dans l'épreuve des disciples qui prêchaient l'évangile du royaume. Donc l'important pour que nous capables et de nous comprendre que les disciples qui ont prêché la parole de Dieu,
et objet message yo c'était l'évangile du royaume. Donc ses disciples ont prêché pendant la première venue du Seigneur et ont gagné également l'autre prédicateur qui après t'a pas prêché et la seconde venue. Et c'est comme si nous t'a joindre que gagné ça nous relait une contrepartie. Et les apôtres ont dit et le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. De même, Miller ainsi que ses collaborateurs ont annoncé la dernière et la plus longue période prophétique des Écritures tirée à sa fin, que le jour du jugement était imminent et que le royaume éternel allait être établi. Donc la prédication des premiers disciples était touchée à l'accomplissement et des temps qui étaient basés, bien entendu, sur les 70 semaines que nous joignons dans Daniel 9. Et lorsque nous parlons de 70 semaines, ça, nous retrouvons également dans la plus longue prophétie qui gagne dans la Bible. Et nous voulons parler de Daniel 8, verset 14, qui parlait de 2300 soirs et matins. Donc, ces 70 semaines, ils ont retrouvé, ils ont fait partie également et de 2300 soirs et matins. Donc, ils ont trouvé à l'intérieur de 2300 soirs et matins. Et chaque message ça a été basé sur l'accomplissement d'une portion de la même grande période. Donc, ça veut dire, deux prophéties, ça, 70 semaines et 2300 soirs et matins, donc ils ont été faits en seul. Donc, puisque nous te joignons période, ça a été marché ensemble. Comme les premiers, disciples, Miller et ses collaborateurs, ils n'ont pas compris exactement la portée du message qu'ils proclamaient. Donc, c'est vrai que Miller a gagné un message dans le qu'il t'a prêché, le retour et de Jésus. Mais, nous allons dire que, message que Miller te voulait prêcher, c'est comme si son message que il pas bien imbu de lui pas comprendre ni également. Il dit que des erreurs ayant cours depuis longtemps dans l'Église les empêchaient d'arriver à une interprétation correcte d'un point de vue important de la prophétie. Donc c'est pourquoi, bien qu'ils fissent entendre au monde le message que Dieu leur avait confié, ils subissent une déception. Donc il t'a prêché un message pour dire que Jésus a retourné, donc il t'a même fixé des dates. Il t'a pas joindre que côté c'est une grande déception, grand désappointement qui t'a pas fait en 1844. Et en expliquant ces paroles de Daniel 8, verset 14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, Miller a été adopté, l'idée générale admise que le sanctuaire était la terre. Donc, puisque à l'époque de Miller, donc, pas de sanctuaire et sous terre encore. Maintenant, Miller, tu as fait référence tout de suite à la terre. Donc, lorsque tu parles de et le sanctuaire sera purifié, donc, il était tout de suite dit que c'est la terre qui va le purifier par le feu. Donc, ça dit que c'était la fin du monde. Donc, c'est Jésus qui va le retourner. Et erreur, ça te revenait de John, dit que adopter une croyance et populaire qui était touché le sanctuaire. Dans le système mosaïque, on parle de système mosaïque, le système sacrificiel, donc Moïse et les lois et cérémoniels, donc et loi ça yo, ou du moins système mosaïque là, qui était en ombre, ou bien c'était un symbole du sacrifice et sacerdoce de Jésus-Christ. Donc, ça veut dire, c'est pour annoncer la venue de Jésus comme un bien sacrifice expiatoire pour purifier nos péchés. Donc, la purification du sanctuaire, il dit que c'était dernière cérémonie qui était qu'on fait pour année dans le sanctuaire. Donc, toute année, il était qu'on prend tout jour, il était qu'on a fait des sacrifices pour chercher pardon pour pécher. Mais tu as un jour spécial, dernier moment ça, dernière cérémonie ça, tu es là pour faire ça, c'est pour la purification du sanctuaire. C'est-à-dire pour retirer la purification, retirer toute saleté, toute souillure, et tout péché, tout ça, eh bien, et dans le sanctuaire là, pour capable purifier le sanctuaire. Dit que
c'était l'œuvre finale de l'expiation, l'enlèvement des péchés d'Israël. Et cette cérémonie préfigurait le dernier acte du ministère de notre souverain sacrificateur dans les cieux, alors qu'il enlèvera ou effacera les péchés de son peuple enregistrés dans les livres du ciel. Donc, puisque parler de purification du sanctuaire, donc c'était la terre qui t'apprend là, eh bien, purifiée, la terre qui t'apprend purifiée, donc, l'Éternel lui-même, Miller, disons, était fait référence tout de suite à la terre, à la venue, la seconde venue de Jésus. Donc, c'est ça fait que nous t'apprend, ouais, que t'apprend gagner une grande, grande déception lorsque, le 22 octobre 1944, lorsque, ouais, que, effectivement, ça qui t'a attendu, c'est pas ça. Donc, Jésus n'y paraît tout de même, Jean qui était pour voilà. Et dit, instruction du jugement qui était précédé immédiatement le retour de Jésus, donc instruction du jugement, donc avant que Jésus retourne, donc il y a des travaux qui pouvaient s'appeler, dit que, et c'est purification, c'est ça qui parle, l'autre qui parle de purification du sanctuaire là, donc c'est l'instruction du jugement. Et nous joignons, et purification, ça nous parle de sanctuaire là, dans Daniel 8, verset 14. Et il y a annoncé également dans le premier message Apocalypse 14, là, quand il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Donc, les héros du retour de Jésus, qui c'est là qui t'a proclamé le retour de Jésus, donc, tu as proclamé le message ça à un temps voulu. Mais, c'est là, yo t'es à et message yo était basé sous Daniel 9 qui dit le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, sans remarquer que le même passage lui annonçait la mort du Messie. Donc et Daniel 9, Miller et ses collaborateurs t'a prêché un évangile qui était basé un message qui était basé sur Daniel 8 verset 14 et Apocalypse 14 verset 7, sans que vous pas ouais que vous t'êtes trouvé au même endroit, ou l'autre message qui t'a proclamé et qui t'est dû proclamer avant le retour de Jésus. De même que les disciples, c'était mépris sur la nature du royaume qui devait s'établir à la fin des 70 semaines, les adventistes se méprirent sur la nature de l'événement qui devait marquer l'expiation des 2300 soirs et matins. Dans l'un comme dans l'autre cas, la vérité fut voilée par une erreur populaire, mais la volonté de Dieu fut accomplie et son message proclamé. Dans les deux cas aussi, une compréhension imparfaite de leur message exposa les disciples à une méprise. Il est à remarquer, frères et sœurs bien-aimés, et lorsque nous lisons ces paroles-là, nous allons comprendre nos bagailles. Monsieur Sayo, c'est comme si tu as prêché un message que vous-même, vous n'avez pas bien aimé, comme si vous-même, vous n'avez pas compris. Et c'est ça fait que nous allons voir, et nous te voyons dans le paragraphe avant, lorsque Jésus est ressuscité, il te paraît avec à deux disciples Emmaüs. Également que nous-mêmes nous pas bien imbu de yo. Est-ce que pas des messages que nous-mêmes moi-même avec ou n'a prêché mais nous pas comprendre bien fondé message ça yo. Mais Dieu poursuivait ses bienveillants desseins. Le grand jour étant à la porte, il permit que le monde fût éprouvé par l'annonce du retour du Christ à une date précise pour donner aux chrétiens l'occasion de prendre conscience de leur état spirituel. Donc, le fait que, et nous, ouais, monsieur, sont arrivés, non, au point pour aller, eh bien, bail, retour Jésus en date, et Jésus t'a dit ça clair, dans Matthieu 24, que, Lili, personne ne connaît qui l'est là pour retourner.
Donc pour qui ça yo même te jeune date, il dit que eh bien monsieur ça yo l'Éternel t'a quitté, notre Dieu l'a quitté à monsieur ça yo t'a choisi une date pour qui ça? C'est pour qui ça? C'est pour te faire prendre conscience à vie spirituelle yo. Donc t'es un message bien déterminé que yo t'es doué bon Dieu t'es voulu faire passer bien à moun sa yo, à ces gens là qui t'es fixé une date. Et pour dire que yo t'es doué gagner un moment de préparation, un moment de conscience, et après les apprêtements bah tout monsieur pral mais yo pral commencer à réfléchir, pral commencer prendre conscience bien de acte que tu commets que et réaction que tu fais. Est-ce que monsieur ça va pas si bien entendu il pas gagner un moment pour éprouver yo, est-ce que yo pas t'a renoncer et au message de Dieu? Le message mettait l'église en mesure de se rendre compte de son état spirituel. Message ça a fixé date là nous dit que l'été mettait l'église là en mesure pour rendre compte de l'état spirituel. Et de sa miséricorde, Dieu lui envoyait pour l'amener à la recherche, à le rechercher par la repentance et par l'humiliation. Et après, bon, après les apprêtements, donc monsieur là, il vient comprendre, il vient conscient de ça. Eh bien, il va prendre l'autre phase. Il va le mettre en prière pour que capable demander bon Dieu direction. Ainsi, Dieu se proposait de faire concourir au bien de ses enfants le désappointement qui allait résulter de manque de compréhension de son message. Il devait être une pierre de touche pour ceux qui avaient déclaré recevoir l'avertissement divin. Allaient-ils brusquement abandonner leur profession de foi et renoncer à leur confiance en la parole de Dieu? Ou bien se mettraient-ils pieusement et humblement à l'étude pour voir quel détail de la prophétie il n'avait pas compris? Donc, Noé, est-ce que tu as abandonné? Ou bien est-ce que tu as mettre en prière pour comprendre le message que bon Dieu t'a fait comprendre? Donc, Noé, tu as préféré mettre en prière pour comprendre le message que bon Dieu t'a fait comprendre. Combien d'entre eux avaient cédé à la crainte, au sentiment et à l'entraînement? Combien étaient indécis? Et seulement la moitié convaincue. Beaucoup de gens affirmaient aimer l'avènement du Seigneur, les moqueries et le mépris du monde, l'erreur et la déception allaient-ils les faire renoncer à leur foi? Je dis à nos jeunes, ça y a un pile monde qui perd déception, il y a un pile monde qui a abandonné la foi. C'est parce que y a moqué, c'est parce que y a passé aux bêtises. Rejeterait-il des vérités évidentes de la Bible parce qu'ils n'avaient pas immédiatement compris les voies de Dieu à leur égard? Cette épreuve devait révéler la force du caractère de ceux qui, animés par une foi sincère, avaient obéi à ce qu'ils croyaient être les enseignements de l'Esprit et de la parole de Dieu. Seule une telle leçon pouvait leur montrer le danger que l'on court en acceptant les théories et les interprétations des hommes au lieu de laisser les Écritures s'exprimer elles-mêmes. Donc, pas prendre, elle dit, pas laisser intimider. Et je dis, en pile monde, yo abandonné, c'est à cause que, mais yo peur, moquerie, yo peur déception. Mais non, au contraire, faut que nous apprenne à travers échec ça yo, à travers mépris ça yo, déception ça yo, pour apprendre, pour capable consolider foi nous beaucoup plus pour nous avancer, parce que notre Dieu lui passe nous parfois par des épreuves. Donc notre Dieu lui fait qui ça parfois lui quitter on sait les bagages arriver j'en souhaite tout à l'heure, c'est pour capable apprendre nous une leçon bien spéciale, c'est pour apprendre une leçon bien spéciale qui fait que lui quitter quelque bagage arriver donc dit il était caguetan et pendant moment ça nous est qui côté ça sorti. Que ça sorti avec Miller qui a avancé, qui a prêché l'évangile, qui a pas propagé, etc. Nous pas qu'à temps, monsieur, ça reprend avant et arrivé 22 octobre 1944. L'Éternel était qu'à faire un bac, mais il était une leçon que le TV apprend là. Donc, monsieur, tu dois apprendre une leçon ça. Donc, pour ces croyants, comme pour les premiers disciples, ceux qui paraissaient mystérieux
au moment de l'épreuve deviendrait évident par la suite. A remarquer. Ça qui te paraît mystère pour toi, donc par la suite, ça va être important pour te conduire, pour apprendre, pour te comprendre. Et en voyant la fin que le Seigneur allait leur accorder, il apprendrait qu'en dépit des épreuves qu'ils s'étaient attirés par leurs erreurs, ces desseins ne s'étaient pas moins accomplis. Une heureuse expérience leur montrerait que le Sauveur est miséricordieux et compatissant et que tous les sentiers de l'Éternel ne sont que bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Et nous disons Amen. Donc là, nous dit que tout ça qui fait, c'est-à-dire toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tout ça, bon Dieu, il fait, donc on a raison pour ça. Donc tout ça qui a fait, on a raison pour ça. Donc pour que nous soyons capables d'éteindre des leçons que nous devons apprendre à travers des situations qui présentaient, des côtés que nous sommes capables de recevoir des moqueries, nous sommes capables de subir de rejet, de mépris, de moqueries. Donc, on a raison pour ça. Et il y a des leçons que bon Dieu veut faire nous apprendre pour nous capables de préparer nous pour son retour en gloire. Donc, nous pensons que c'est un bel sujet et nous terminer là avec chapitre 19 là. Nous avons campé là. Donc nous pensons que il y a un pile monde qui est capable de réfléchir, un pile monde capable de bailler idée par yo. C'est pour ça que nous laisser ces 10 bonnes minutes pour que nous capable de réagir, nous aimer que nous participer, réagir dans ce sujet ça qui c'est lumière et ténèbres et nous avons dans dernier dernier paragraphe yo, nous avons côté que bien bon Dieu a un message spécial qu'il devait passer à travers des abonnements. Merci, la parole est à vous. Oui, merci, pasteur. Et ce que nous remarquons là, c'est que à partir de des lectures sont faites là, nous voyons donc que l'Église liguée en mission. Et Müller lui-même, donc, il était recevoir déclaration par le Tebayo. Et lorsque nous faisons analyse, nous voyons que c'est Apocalypse 14 là, qui gagne trois messages là-dedans. Et si chaque message ça représente un ange, donc maintenant pour nous capables de dire, moi actuellement, qui message l'Église d'aujourd'hui a prêché d'après Apocalypse chapitre 14 verset 6 à 9 qui a trois messages là-dedans. Message premier ange là, message deuxième ange là et message troisième ange là. D'après ça, nous sommes constatés là, nous remarquons le message premier ange là, donc il était censé prêcher par Müller. Message deuxième ange là également. Mais d'après moi, nous constatons que Kounia là, nous sommes censés être dans le troisième message là, qui annonçait que Babylone tombait, donc pour les hommes, pour prendre précaution, pour ne pas prendre Macbeth là. À mon avis, moi, ce message ça a mérité prêcher pour le moment, pour expliquer au peuple là, société a sac Macbeth là et qui précaution que yo doit prendre pour yo pas prendre et comment capable venir sous yo. Donc on pas connait ça ne penser à ce sujet. OK, est-ce que quand qui veut réagir sur non? Hello. 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 Oui, alors pasteur, si toutefois que pas gain l'autre monde qui réagit, n'aimerais que au ban nos explications. Actuellement, qui message l'Église doit prêcher parmi trois messages, message trois anges là, c'est trois messages que liés, il y a un premier, un deuxième, un troisième. Donc, Müller prêché déjà les deux, le troisième message là, est-ce que c'est lui-même actuellement l'Église a prêché ou bien que l'Église doit prêcher? OK. Normalement,
trois messages toujours en vigueur. Pour qui ça nous dit ça? Parce que normalement, jusqu'à présent, ce n'est pas tout le monde qui peut toucher. Et pas oublier, c'est ça que Matthieu 24, 14 dit nous. Il faut que le message l'apprécier pour servir de témoignage. Le fait que, eh bien, il y a un monde qui peut toucher, que tous les trois messages sont toujours en vigueur. Sont toujours en vigueur, tous les trois messages, pour que non seulement nous capables annoncer mon yo que le jugement arrivé, donc yo doit préparer yo puisque le moment jugement arrivé, et deuxièmement pour nous annoncer que capable sortir et Babylone dans Babylone parce que Babylone est tombé, et troisièmement pour nous dire que pour éviter pour pas prendre la marque de la bête que yo capable mais prend le sceau de Dieu. Donc normalement et tous les trois messages, je vous dis, ils sont toujours en vigueur. Tous les trois messages sont toujours en vigueur parce qu'il y a jusqu'à présent, il y a des gens qui peuvent toucher. C'est ça que fait. L'important pour que moi-même avec vous, nous arrangions nous, je vous dis, lassez botte nous pour nous prendre le message là aller. Parce qu'il y a des gens qui peuvent tant de messages ça. Elle dit, nous ne pas dire que nous finissons prêcher tel message. Et nous pral prêcher l'autre. Ça veut dire normalement, si j'ai un groupe de monde qui m'a un message, m'a un premier, m'a un deuxième, mais dans le monde, ça va prêt pour être capable de prendre un troisième. Mais tandis que j'ai un qui peut même prendre un premier, par contre, vous comprenez, j'ai un qui peut prendre un premier, donc normalement, les trois messages sont toujours en vigueur. Alors, oui, je comprends ça. Donc, mais la première époque, là, c'est en avion dans le passé déjà. Donc, je ne que nous avons éternisé nous sous le premier message là, et puis pour ce deuxième message là, tandis que le troisième message là, et bon Dieu, tu as prévoir, c'est dans le temps ça pour nous déprécher lui, et c'est là sous lui pour nous focus, et si nous focus sous lui, nous avons tout infiltré message premier, deuxième ange là. Parce que si ton milieu là, c'était pour préparer le peuple à faire connaître que le jugement arrivait, depuis toute époque ça qui passait, qu'on est allé dans le 21e siècle, c'était dans le 18e siècle que le message là. Donc, si trois siècles, ça, nous sommes passés au clan, nous focus spécifiquement sous message, troisième ange là, pour nous réexpliquer peuple là, sous question ballon, que nous connaissons, et comment qui est l'ami, Fantagin des experts qui cherchent qu'on est à travers le monde là, qui gens qui ont infiltré au Macbeth là, parce que Beth là, oui, c'est en pile. Parce que si nous prenons Macbeth là, si nous prenons Macbeth là, elle a perdu. Donc c'est ce que nous avons tout lu pour nous expliquer un plan macabre que nous pour le peuple Macbeth là, pour ne pas prendre Macbeth là, parce que ça importe un pile, à mon avis. Alors, parce que pour moi-même, et réponse à question en chitan dans langage nous-mêmes. Parce que l'église adventiste gon façon de parler. Nous parler du message des trois anges. Nous pas séparer yo. Nous parler du message des trois anges. Et moi crois que bagay yo li cumulatif, yo cumulatif. Nous pas capable séparer yo. Et me penser que séparer yo a gon simultanée ou tout à prêcher ni premier ni deuxième ni troisième parce que l'église adventiste parlait du message des trois anges et pas séparer message yo. Donc on nous évite séparer yo parce que gen des moun et qui utilisé parole ça yo mal pour parler dit c'est un tel qui était premier ange tel était deuxième ange yo même venir avec quatrième ange pour troubler le monde. Donc, en nous rété dans bagaille, les gens, les messages des gens sont cumulatifs, ils coexistent en même temps. Merci, mes frères. Merci, frère Aaron. Donc, c'est exactement donc, trois messages à prêcher en même temps.
Merci, merci à nous-mêmes qui t'ai prêté attention à un moment esprit de prophétie ça. Donc, nous allons rendez-vous pour un autre moment pareil. Merci beaucoup. Que mon Dieu capable de bénir. Amen. Merci parce que Villers est roi. Et maintenant, nous faisons place à la sœur Claire Meli, Dossou Étienne, pour louange et témoignage. Merci. Dosso, on va sur panel là. On va commencer ouais là. Si sœur Dossou passe au panel là, on a demandé à sœur Hélène Ducasse, pour être capable de remplacer sœur Dossou pour nous, s'il vous plaît. Amen, amen. Sœur Ducasse. Sœur Ducasse ou pas là? Ça du casse, c'est pas mal. Sœur Alberta Majus, est-ce qu'on peut remplacer Sœur du casse pour nous, s'il vous plaît? Amen. Sœurs et frères, chers amis, bonsoir. C'est un plaisir pour nous capables d'en pied bon Dieu à Soya. Et une autre fois encore, dans le cas de programme spécial ça. Nous dit merci à bon Dieu qui ban nous opportunité ça. Et maintenant c'est moment pour nous parler louange alors que nous fin mandé le pardon Saint-Esprit lui, nous mandé le Saint-Esprit lui. Nous sommes certains que bon Dieu avec nous. Donc pour nous capable commencer, nous pourrons chanter un chant et ensuite n'a passé dans un moment témoignage. Chantons au numéro 22 qui dit au soleil sur la terre. Qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout homme en tout lieu et qui donne aux nuits leur mystère, c'est l'éternel, c'est notre Dieu. C'est l'éternel, c'est notre Dieu. Le bleu et le ciel superbe qui les atteint si beau bleu, qui verdit les mérodeurs. C'est l'éternel, c'est notre Dieu. C'est l'éternel, c'est notre quand nous pleurons, qui nous console, qui veille sur nous en tout lieu, qui nous soutient par sa parole, c'est l'éternel, c'est notre
mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Nous l'ouvrons, micro à chaque monde qui t'a gagné, qui t'a voulu dire un bagage pour bon Dieu à soi, un bagage que bon Dieu fait pour nous. Pas oublier que bon Dieu remet les noms reconnaissants. En nous pas jouir de grâce, bon Dieu, et en secret, les nous gagnons problème, nous prions tout partout, mais les problèmes nous résoutent, nous avons tendance à quimber pour nous. Nous peur pour nous dire ça, bon Dieu fait. Bon Dieu remet pour nous, pas de bravo pour lui, et parler de ça qu'il fait, parce que c'est lui-même seul qui Dieu nous. Les nous fait ça, nous dit que c'est lui-même seul nous reconnaître comme Dieu nous, c'est lui-même seul nous connaît qui a fait toute bagaille pour nous. En nous pas peur, en nous pas craindre témoigner ça l'Éternel fait dans la vie. Mais quoi l'ouvrir à chaque monde qui t'a dit yon bagay. Merci. Chers frères, bonsoir. Amen. Bonsoir. Ben, dis bon Dieu merci, béni nos bon Dieu, pour grâce libre, pour compassion envers moi. Il y a un gros problème à traverser dans le mois passé. Et côté de gagner gros difficulté qui était devant moi. Excusez, ma soeur, si c'est possible, parlez plus fort, s'il vous plaît. Et puis, pendant les problèmes à présenter devant, ma prière, bon Dieu. Et puis, après, il y a un nombre de temps, ma prière, bon Dieu, sous problème, non? Et puis, sœur et servante, mon Dieu, sœur Justafo, et dis-moi que, et dis senti que c'est pour être capable d'encourager, pour bien inviter, pour être capable de venir dans JVR, et pour être capable de rentrer dans le groupe là. Son groupe de prière, les balais de lit, et puis me dit, eh bien, comment la intégrer, mais c'est pour me faire. Les balais, comment pour me faire. Puis, bon Dieu, permet que il arrive vraiment à rentrer. Mais des gros difficultés devant moi. Et puis, bon, donc, grâce, bon Dieu, par sa puissance, pendant ma participé dans les moments de prière. Pendant ma participé dans les moments de prière, et chaque et matin, et puis et les vendredis soirs, et puis, bon Dieu, dans sa grâce infinie, lui permettre que, et lui ouvrir pour moi, et puis, bon Dieu, résoudre le problème là pour moi. Moi, je dis, bon Dieu, merci pour ça. Et moi, je dis, et bon Dieu, merci pour les privilèges qu'il y a accordé moi, parce que, et lui permettre que nous capables de participer dans le programme, nous sommes capables de rentrer. Et bon Dieu, agit en ma faveur. Moi, béni dans mon Dieu, m'exalter dans mon Dieu, parce que tout ça, bon Dieu, voulait la faire pour petit. Et c'est pour nous capables toujours et tout prête, et pour nous capables et participer dans les moments de prière, pour nous capables faire effort pour nous appliquer les conseils que mon Dieu voyait pour nous chaque jour, et puis et surtout, rester dans l'amour et on aimait l'autre, et puis. Et accepter pour nous capables de courber, non? Et les bons dieux, voyez, conseiller pour nous à travers serviteurs. Nous bénissons, bon Dieu, pour ça le faire pour moi, pour ça me jouir de lui-même et pour tout ça la continuer pour moi. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lui-même seul mérite louange, lui-même seul mérite adoration. Il y a un autre monde qui voulait dire, il y a un autre bagage que bon Dieu t'a fait pour lui, ou qu'il y a une chance pour dire ça. Allez, va bien. Bonsoir. Bonsoir. Moi, béni le nom de Dieu à soi, pour ça, il fait pour moi, pour ça, il toujours a fait pour moi. Pour ça, je dis bon Dieu merci à toi, parce que il fait un bagage que je ne vais jamais espérer dans la vie. Même si bon Dieu t'a toujours abandonné au ministère que pour prêcher l'évangile, mais moi j'ai toujours permettre comme le dossier. Parfois me répondre, parfois me tomber. Mais bon Dieu,
fait à moi, li fait kay moi kounye a, yon lieu de prière, côté que m'a toujours ap di au monde, vinn prier chaque mercredi 9h et gen yon prière la kay moi pour midi, vinn prier. Ça fait nous gata gen 6 mois depuis kay la, c'est un sanctuaire. Moi dis bon Dieu merci en pile, c'est pi gros bagay li fait pour moi depuis m'exister dans vim parce que il mettait yon bagay, il mettait me sur en pente pour me sauver. Pour m'aider l'autre monde sauvé et pour famille me sauver au nom de Jésus. Moi exalté nos bon Dieu. Et à moi, c'est une petite fille, bon Dieu, tout bon et tout bon. Et me voulait servir, bon Dieu. Je dis, bon Dieu, merci. Pas quitter le ministère, ça. Camper dans la route. Parce que chaque heure, moi, à prêcher dans la machine, toujours dit, bon Dieu, bon chance pour me faire un petit coup encore. Bon chance pour me faire un petit coup encore. Béni, non, bon Dieu, pour ça le faire pour moi. Hein. Et me connaît, pas quitter dans la route. Et côté que, moi, ouais, bon Dieu, pour aller avec nous, à petit pas et même à grand pas. Te gen on sept de témoigner, li te gen persécution nous se déclarer sous la ville. On sept mercredi a nous se faire action de grâce à l'Éternel, louange. Et même mercredi qui septième mercredi a yo mené un monde qui gagne mauvais esprit. Ça sont l'autre combat nous pour le déclarer. Bon Dieu pour aller aider nous déclarer on sept mercredi pour petite fille ça et bien aider groupe salon la prière ces groupes et sentinelle pour le ciel et lever groupe là dans la prière chers frères et sœurs et sinon t'oublier et sentinelle pour le ciel et bien c'est Dieu seul lui ni que les marques. Béni non bon Dieu m'exalter non bon Dieu non moi pas chambre pas célébrer non bon Dieu que bon Dieu bénisse. Amen. Jésus a fait tout bagaille, Jésus a fait tout bagaille. Pour nous, c'est Alpha, l'Oméga, commencement et la fin. Jésus a fait tout bagaille pour moi. Y a l'autre monde qui veut témoigner pour bon Dieu? Non. Bonsoir, bon sabbat à tout le monde. Bonsoir. Nous dit bon Dieu merci parce que nous, si nous t'apprenons à témoigner, nous t'a fait tout reste et moment là dans témoigner parce que bon Dieu pas rien pareil. Bon Dieu pas rien pareil. Et ces derniers temps, et bon Dieu paraît visible. Dans la vie, moi-même, si je me dis que je m'habite pas au prince, je m'habite Delma 75, et que l'événement va passer vraiment souvent dans les yeux. Mais au compte de ce qui passe, et si l'événement va passer, soit le passer avant, ou bien il passe après. Je finis de passer. Avec dit que, bon Dieu, fais-nous grâce. En dépit de tout ce qui a passé dans le pays, ou bien tout problème, calamité, moun ka mouri, bon Dieu, kembe nous vivants et en sécurité à la gloire de Dieu. Nous bénissons pour ça. Allez dit, nous pas gen mot pour nous remercier, bon Dieu, nous pas gen rien pour nous bali, que bali l'orange et bali gloire. Des nuits chaque premier et ma nata nos raisons ça fermé bon Dieu ouvert GVR pour nous capables qu'un moment de prière. Ça veut dire ça c'est très important lorsque l'ennemi a fermé porte bon Dieu a ouvert plusieurs portes. Alors nous dit bon Dieu merci dit fait que il va une opportunité pour nous participer dans genre de moment de prière dans genre de moment ça qui a créé nam non vivant, qui a créé nam non en haleine éveillé, et pour lorsque le Saint-Esprit, la pluie de la saison a venu pour nous parler, nous gagnons l'huile dans la pnon à la gloire de Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, bon sabbat dans le Seigneur.
Allô? Amen. Vous pouvez continuer, ma soeur. D'accord, soeur. Moi, je dis bon Dieu merci parce que bon Dieu fait pile bagay dans la vie de famille. Plus gros remerciement, m'a toujours dit ça et m'a toujours remis témoigner ça. Moi, j'ai une douleur atroce qui est dans le dernier niveau avec moi. Et le mal à l'hôpital, docteur toujours a dit, pas fait ceci, pas fait cela, parce que vous avez deux, vous avez trois petits hôpitaux dans la colonne vertébrale, vous avez deux qui allent. Vous êtes un seul, à un seul ça, sous tomber, vous va vivre, comme si vous êtes tout paralysé. Même l'air a dit ça, je toujours connais que malade là, vraiment, parce que j'ai une forte douleur, même toujours dit, vous ne pas quitter mon cocombe, parce que j'ai deux petits qui va gagner un roulage, vous ne pas quitter mon cocombe. Et encore, Marie me fait des chirurgies dans la colonne vertébrale. Et côté que, c'est docteur, c'est prier docteur, vie retourner. Et puis pendant la ville Vinchot, m'allait mieux balai en février l'année dernière. Les m'arrivais en juin, douleur à prendre. Rien ne m'a supporté. Moi, à l'hôpital mieux balai, docteur dit, mais mon rouleau papier génifique à me lever avec. Les m'arrivais dans le mois d'août, je viens pour me rentrer Saint-Domingue. Je viens rentrer Saint-Domingue dans le mois de juillet. Rentrer Saint-Domingue. Et puis, je me dis, bon Dieu, je ne suis pas dans le pays où il y a une maladie. Ça là. Comment je fais, Jésus? Même venir par rapport à mon petit monde qui pourrait terminer. Et je me dis, je ne suis pas retourner pour le TRT, pour être faculté. Je ne suis pas en train de me tout venir ici d'avril. Chers frères et sœurs, même toujours, les musiques ne peuvent pas faire rien. Les musiques ne peuvent pas faire travail. Les musiques ne peuvent pas faire rien. Je viens faire commerce, je viens camper, même comme si son moment, quand dit faut que je dit, bon Dieu, vous nous l'école la vie. L'école la vie a parfois le haut, parfois le bas, même toujours été dans la prière, parce que je suis sous plusieurs groupes, je toujours été dans la prière, faire tout bagaille. Chers frères et sœurs, pour le moment là, travail, moi, m'a fait à douleur, à tout ça, depuis que je suis rentré Saint-Domingue, je suis un an et demi. Bon Dieu, ma jambe qui était douleur, ça prend. Et me fait travail qui loue, ou qu'on n'a pas la caille, ou faut dégager, ou faut vivre. Me fait travail qui loue, même dit bon Dieu merci, et Marie, qui a déchiré dans la colonne vertébrale. Même machine, elle me déporte au prince, elle a bloqué le tabac, elle est rentrée, elle n'a pas résisté à la douleur. Et Kounia là, elle est sur machine, elle est 11 heures sur un bacol pour qu'elle dorme, la balle matériau. Ça veut dire que bon Dieu, les fidèles, chers frères et sœurs, quel que soit ça, nous gagnons, on nous remet les bails, mon Dieu. Et moi-même, c'est famille, la fortune, et ça fait un peu de dire au monde, quel que soit ça, gagnons, remet les bails, mon Dieu, pas grand, rien, mon Dieu, pas café. La seule chose, faire bon Dieu confiance. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. 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 Jésus, au café, tout bagaille, tout bagaille, tout bagaille. Jésus, au café, tout bagaille. L'oméga, commencement et la fin, Jésus a fait tout bagaille pour moi. Il y a l'autre monde, je vais demander pour nous résumer le témoignage pour qu'il y ait autant de monde possible qui témoigne à soi. Il y a l'autre monde, s'il vous plaît. Chers frères et sœurs, bonsoir, sœur Carole. Non, bon Dieu, pour place. Ak faveur miséricorde li diverti envers nous. Le carité indifférent jusqu'à présent n'ont pas qu'à parler, c'est parce que nous avons un bon Dieu. Bon Dieu fait un pile bagay pour moi. Il y a un pile monde qui sous groupe là qu'on est tout ça bon Dieu fait pour moi. Petit moi malade, maladie rechutée. Pendant deux fois l'Éternel passé avec moi. Dieu est grand. Les fidèles, les merveilleux. Et moi, par contre, si c'est pas tenant bon Dieu pour me tailler, qui côté pour me tailler encore. Et chers frères et sœurs, tu as continué à faire route pour moi. Chers frères et sœurs, puis gros bagaille, bon Dieu fait pour moi. Bon Dieu prend, les mettez parmi mon sauvé. Côté m'taillé dans l'église baptiste, par contre, qui ça t'appelle, retirer la donne. M'a gardé. À chaque fois m'a prêché parole là pour m'a dit monde observer les commandements de Dieu pour m'a pas témoignage comment me devenir adventiste. Oui, tu es grand parce que m'a pas joindre monde qui t'ai prêché, c'est dans l'église baptiste
et deuxième église baptiste qui pasteur c'est Nova point du jour même Jésus ange de Dieu t'a évangélisé mon dimanche matin dans l'église. Dieu est grand. Chers frères et sœurs, ça fait plus à témoigner pour me finir. Bon Dieu, qu'on fait route côté pas gain route. Moi sous groupe là longtemps. Moi béni non bon Dieu parce que bon Dieu fait me joindre message. Bon Dieu changer la vie. Moi béni non bon Dieu. Bon Dieu changer la vie. Moi béni non bon Dieu et même Jean mon capitaine d'em qui sous groupe là. Bon Dieu qu'on changer. Bon Dieu qu'on guérit. Bon Dieu qu'on bénit. Fais bon Dieu confiance. Et puis après toute bagaille a vini à merveille. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Y a un autre monde qui veut témoigner de bon Dieu? Amen. Si pas un monde qui veut témoigner, n'a pas profité de témoignage par nous. Tant comme toujours dit nous que moi gagne yon quantité de témoignages et même par contre qui l'aime ta fin bay yo vendredi passé en haut moi levé et puis pendant moi levé moi gagne premier petit film là qui levé qui fâché parce que li té nan l'école pendant té nan state qui c'était en l'école privée que m'te mette là-dedans par rapport à que je t'ai mette dans l'école l'état qui était très risqué pour lui et bon ici aux États-Unis il y a des écoles là où mette ti moun nan c'est comme si ou même qui parent qui voye là-dedans c'est comme si à la boucherie que voye tellement pour exposer à un série de choses et puis l'homme t'ai gardé moi c'est là bord éducation t'ai voye et puis bloqué sous bord là pas qu'à retirer pas qu'à inscrire l'autre côté pas gain route pas bois c'est voyer là dedans pour bien mettre dans l'école privée maintenant me fait sacrifice mettre dans l'école privée et puis régulièrement moi payer et l'argent que j'ai demandé me payer me payer dernier et versement qu'on j'ai demandé là trouver que l'elle pas arrivé dans dernier étape pour prendre examen final yo voyer dit que me pas payer dans versement yo et dans moment où voyer dit ça pas gain quoi. Et puis il a dit va composer. Donc il était venu river composer faire dernier examen ou quand même. Et puis il vient déplacer qui était là dans l'autre step. Et puis problème dans toujours là, pas de résoudre lui pour me payer quoi blanc pourtant ça a fait malgré le composer ou pas voyer on série de crédit aller pour lui. Ça veut dire que moyenne que il était doit gagner hein, mais pas gagner et tandis que il y a des carrières le pour aborder le pour choisir aux États-Unis li mandé pour combattre le GPA et faut li gon niveau pour lier pour accepter le foncier de carrière d'un coup l'on prend médecine on prend droit on fait de l'autre carrière yo exigeant on fait de GPA pour prendre yo maintenant li commence à faire le souci li garde le GPA bien bas par rapport à que m'ta le mettre dans l'école privée et que cop blanc était dans discussion dit que m'pa payer m'te payer etc. Maintenant ça bon problème. C'est comme si ton bail qui était fini. Et puis dans matin ça m'a pas le travail pour me dire l'Éternel, c'est quand impossible remet. Et depuis l'homme t'ai non Jersey m'a relé l'école là, yo quitté sous wait, yo quitté m'a attendre n'importe 30 minutes yo pas jambe tourner back sous moi. So secrétaire t'ai pas comblan en même temps, sûrement c'est lui qui t'a fait ça. Et puis t'ai plein bail m'a problème vinn décourager, m'vinn venir encore relé faire même bagarre là ce jour-là. On dit bon Dieu remet le dossier. Maintenant moi je vais dans travail moi je cherche un petit temps et puis me relayo secrétaire là fait même bagarre encore qui était plus de 30 minutes à attendre seulement pour faire parler avec directrice l'école là et puis me rester là me dit m'a rester là chance pour moi pas trop occupé ce jour là et puis le il dit me comme ça oh directrice sont disponible pour aller voyer on me répond téléphone là pourtant mon pas directrice sont dit l'aime pas là mon a m'expliquer mon a dit OK moi pas parler directrice l'aime pas la directrice là directrice sont dit comme ça que ce même jour yo joine côté m'te payer comme là donc yo gen t'envoyer et toute notre ligne dans l'école côté lié a donc moi pas gagné pour me préoccuper de ça encore on va qui gagne plus de 8 mois bon Dieu qu'a fait toute bagaille frères et sœurs quelque ça nous ouais a et n'a dit ça chaque jour Jésus qu'a fait toute bagaille
Jésus remet situation impossible, tandis que des situations impossibles, nous gagnons, nous plongeons dans la tristesse, nous crions, au du moins, nous cherchons l'autre solution. Nous pas jamais dit bon Dieu, mais parce que nous-mêmes nous décidons que pas de solution. Parce que nous-mêmes nous décidons ça. Donc, bon Dieu rentre dans toute bagaille, il peut résoudre tout problème pour nous. Quelle que soit la maladie, on toujours dit que maladie est une maladie, que docteur est une maladie incurable, maladie qui est guérie. Maladie pas de guérir, ça ou les maladies naturelles, maladies surnaturelles, même pas besoin qu'on ait. La Bible dit que nous servons un Dieu tout puissant, ok, il n'y a pas de limite dans quel que soit sa lien. Donc, quel que soit ça, on a expérimenté dans la vie, nous, c'est pour nous aider bon Dieu à l'épreuve, pour nous dire bon Dieu, mais lui, parce que la Bible dit que ou c'est tout puissant, ou pas de limite, docteur limité, ou même on pas limité. Nous-mêmes, nous limités, mais bon Dieu pas limité. Donc, ou même qui expérimenté bon Dieu, ça a déjà, ou capable de témoigner de ça le fait pour vous, à soi. Donc, ou qu'un espace là, ou capable, moi qui le lié, il fait 25 minutes, 5 minutes de témoignage toujours, après ça, pour nous aller chanter, pour nous lire sommes ensemble, et puis pour nous capable de prier, pour nous faire place à l'autre partie. Hein. Pas que l'autre monde qui voulait dire un bagage pour bon Dieu? Nous dit gloire à Dieu. Amen. Un autre monde, s'il vous plaît. Frère Maxime, bonsoir. Bon sabbat. Bonsoir. Nous disons bon Dieu merci pour grâce à mon comme c'est 5 minutes, témoignage en pile. Même bras pour nous capables de venir coûte. Moi, moi je vis à Haïti, moi je suis rentré à Haïti en 95. Les rentré à Haïti en 95, et bien c'est comme ça, moyen que moi te gagne, moi te payé, moi te rentré en mois de septembre, moi te payé 3 mois à l'école, et comme ça, moi te paye kay et puis moyen nous pas dire en pile moyen pour nous continuer. Et bien c'est comme ça moi te venu moi te gagne $10 qui te serré en poche en bourse moi te cherché lui moi te bay Marie Moine moi dit la changer mais à l'époque $10 c'était $32 de bay. Marie m'a vraiment allé, lui changer lui. Moi, il dit lui acheter un livre tulle pour moi pour $20. Pour 100 gouttes. Moi, il dit acheter 10 gouttes de fil à ligature. Moi, il dit acheter 25 gouttes arrangement. Il était 25 gouttes. Moi, il retire 10 gouttes d'offrande. Moi, il était 15 gouttes. Ce jour-là, moi te gen 15 gouttes nan même 15 gouttes là moi préparer manger ba ti moun yo et tuile là moi prend tuile là moi couper li bon moi 4 graines moustique berceau et c'est comme ça moi sorti nan demain moi même ma marim pou sou. Et me sorti. Marie me dit, bon Flor, ou fait rentrer à Haïti ou pas qu'on photo pour aller. Me dit, bon, m'en bas de la pomme, m'en sorti. Moi, préparé modèle moustique en quadrade. Moi, pas fait modèle rond, moi, fait un modèle carré. Et moi, mettez applique la donne, bel modèle. Moi, mettez dans sa chair, moi, sorti. L'aime rivé, ou konne, m'bat bien kon pays ou bien parce que m'te timoun, à l'époque, parents m'bat kite m'achete en pile, m'bat bien kon ville. Mais Marie m'explique, moi je ne m'achete tête bœuf, et li dit m'lem je ne m'achete en fer, moi mette descend. Et puis, moi je ne m'allais vraiment, je ne m'achete en fer,
Moi descend, moi regarder rue des Césars. Moi descend la rue des Césars. Les mouvements bam voyez yeux moi ouais Accra. En face Accra moi ouais Andale. Moi camper. Moi aller me camper devant porte Andale. Mais chaque fois c'est moi vraiment cute. Moi te gué longs cheveux, moi passe un képi dans cheveux, me vider le sous dôme. Moi mettais au tennis dans pied, ma bout de bas. Moi mettais yon abako. Pas de monde qui connaît que m'bagé kop parce que moi semblé kop. Là moi vim kembe moustique nan même. Et puis yon première dame paraît dans magasin, c'est bagay bébé yo vann. Il dit madame qui modèle moustique ou gen nan mon. Moi dit c'est moustique beso. Il dit combien kop ou vann? Il dit 60 $. Il dit ou pas bali pour 50 $? Il dit oui. L'acheter. Après 30 minutes, moi vends tout mon sticker. Moi gagne 200 $ et pique non même. Parce que je gagne 60 $. Moi te gagne 32 $. Quand je gagne 200 et pique. Moi retourne. Marie me dit que l'acheter. Ma baillot dans magasin Mara. Effectivement, je retourne. Je suis toute salle de Dimio. Je suis bon marché en fait encore. Je voyais les gens en celle-là qui marquait Mara. Je suis acheté des lutules. Je suis acheté fil à rendre. Je suis acheté même genre. Et puis, je suis retourné. Je suis retiré. Je suis à offrande. Je suis fouillé dans une petite poche dans la jupe qui était sous moi. Parce que le premier, ça me retire, c'est dit ma offrande. Je suis allé m'acheter, m'acheter un gallon d'huile. À l'époque, l'huile a été vendue 70 gouttes. M'acheter un gallon d'huile. M'acheter deux mamies de riz. M'acheter poids. M'acheter tout ça que j'ai besoin. Je suis tellement que j'ai des copes. Je n'ai pas même boté son bourrette que je prends. Je vais prendre un camionnette. Et là, je suis arrivé, je me saisis. Je suis retourné. Dès que tu l'as, je viens de 8 graines. Et là, je viens de 8 graines de moustique. Même le soir, nous recommençons encore. Je fais 6 graines de moustique. Je vais faire un coup de 8 graines. Résumé pour nous? Oui, oui. Je retourne encore. Et bien, c'est comme ça. Je vends. Et je offre une place pour me chita. Et bien, je viens de faire des même, je commence à assembler des cobs, je viens de voyager encore, je fais 3 mallettes Miami, je rentre, au lieu de mon sticker, je viens de commencer à faire des robes, je mets des robes, je vends des vêtements. Et bien, pendant que je vends, et puis, il y a une série de robes qui viennent, qui épuisent, qui ne vont jamais vendre. Et bien, je suis toujours à voyager. Je pas dans mon sticker encore, je suis dans le vêtement. Eh bien, je suis en Gérard, qui n'a pas jamais vendu. Je suis sorti de Miami, je suis rentré avec une série de belles robes. Ces jours-là, je vends une robe pour 17 000 gouttes. Je prends mais mon bon robe là, tellement belle, je dis comme ça n'a pas semblé. Je dis comme ça, c'est l'éternel lui semble. Je retire la robe là. Moi, dit l'Éternel, rangé rad sa mien, pas j'en vende non, m'a payé 17 000 gouttes là. Faut rangé rad sa yo vende. Effectivement, moi payé dans sabbat, dans samedi, dans lundi, frère Maxem yo, c'est comme ça, moi, moun kap marché vin pran rad. Pas 3, pas 4, pas 5. Yo besoin rob, ça pour une réunion, et rob yo te gine pas 3, 4 ans. Je ne vais pas vendre. Yon seule semaine, je vends tout rangé rad qui pas vendre yo. Bon Dieu, li grand et li fidèle. Ou pas ka comprendre moi. Parce que ou pas nan place moi. Bon Dieu, sorti loin avec pour m'river là. Bon Dieu, li grand et fidèle. Chers frères et sœurs, bon sabbat dans le Seigneur.
Amen. Amen. Merci. Merci à tout le monde qui a témoigné. Nous allons continuer avec le mouvement de louange et témoignage. Non? Il est déjà l'heure pour nous commencer à chanter et ensemble. Amen. Nous allons chanter un premier chant qui est numéro 30. Ensuite, nous allons lire Somme 100. Deuxième chant que nous allons chanter, numéro 61. Et nous allons lire le psaume 47. Et si il y a temps avant de prier, nous allons chanter un troisième chant et un troisième psaume. Pour Philippe Chanon, côté nous y a, mettez téléphone non sous mute et nous allons chanter ensemble au numéro 30. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrons-le, bénissez. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Seul Dieu mérite la gloire, seul Dieu mérite la louange et l'exaltation. Après lui-même, pas gagné l'autre qui méritait ça. N'a continué par bon Dieu louange, dans numéro 24, hymne et louange. Alléluia, louange à Dieu, chrétien, célébrons en tout lieu. C'est moment côté pour nous venir devant bon Dieu avec un pile reconnaissance pour ça que lié pour nous, pour ça que ça le fait pour nous. Après une semaine, nous passons en bien, ça et là, nous montons des sons. Et il y a nous qui vraiment vivent dans des situations difficiles et sécurité non pas assurée. À quel côté sécurité non assurée, mais cependant, il y a des positions que vous trouvez où est vraiment, si ce n'est pas bien bon Dieu qui sont
en pile bagay te ka passé. Bon Dieu mérite louange, bon Dieu mérite adoration. Ouvre cœur nous pour nous adorer, bon Dieu, à soya. Alléluia, louange à Dieu. Chrétien célèbres en Dieu, son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Alléluia, Fils éternel, Sauveur de l'homme et criminel, reçois notre humble hommage. Pénétré de ta charité, ton peuple par toi acheté, te bénis d'âge en âge. Alléluia, céleste esprit, de notre cœur comblé et conduit, accepte la prière. Seul on fait consacrer, qu'il soit à jamais pénétré de ta vive lumière. Alléluia, Dieu trois fois saint, que ton auguste nom soit par tous ceux qui respirent. Veille sur ton peuple à jamais. Ton empire. Nous récitons ensemble le psaume 29. Psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban, les fait bondir comme des veaux, et le Liban et les Syriens comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Entonnons un saint cantique à la gloire du Fils unique. Sa mort, dans sa souffrance, nous trouvons tous en abondance ce qu'il nous faut pour être heureux. Louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia, sans foi au roi des rois, à notre Seigneur sur la croix. Divine source de vie, que tout en nous te glorifie, et chanter ta dilection. Ta paix, ta gloire éternelle, de jour en jour se renouvelle sur l'heureux peuple de Sion.
louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia, gloire sans foi, au roi des rois, à notre sauveur sur la croix. Jésus reçoit nos hommages, ce sera seul dans tous les âges, le cantique des rachetés. Te sauver par tes blessures et guérir par tes meurtrissures, tous nos cœurs te soient consacrés. Louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia. Psaume 47. Vous tous peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous a sujettis des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Ils nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi sur toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. Dieu est souverainement élevé. Dieu est souverain. Côté lié dans le siège, lié dans le ciel là, lui fait salver. L'élevé pour mon livré. Lui-même seul méritait louange. Lui-même seul méritait adoration. Assoya avec cœur nous, avec nom nous. C'est pour nous adorer bon Dieu qui t'a créé ciel là, terre, la mer, qui t'a créé nous en six jours et qui t'a reposé septième jour, qui invite nous pour nous balayer adoration. Alors que nous en Saint Sabbat l'Éternel, c'est moment pour nous faire louange pour bon Dieu. C'est moment pour nous bali adoration, lui même seul mérité. C'est pour ça nous pral chanter un chant pour nous adorer bon Dieu. Adorons le roi glorieux. Après nous fin chanter adorons le roi glorieux. Frère Paul Awol, s'il l'a fait prière louange là pour nous. N'a chanté une seule strophe pour que nous capables de joindre du temps pour nous adorer, pour nous prier bon Dieu. Et ensuite pour nous faire place à ce moment. Adorons le roi glorieux, acceptons sa loi. Qui nous rend heureux, son pouvoir nous garde, son amour nous suit, son œil nous regarde, le jour et la nuit, racontons en cœur les dons qu'il nous fit, un puissant sauveur. Et son Saint-Esprit, maître du tonnerre et des ouragans, c'est un tendre père pour tous ses enfants. Ses compassions dépassent encore l'océan bleu. Astres d'or, chantons sa louange, chantons, et comme les anges,
Ils ont sa bonté. Frère Paul, Harold a prié pour nous, s'il vous plaît. S'il se coupe là, la fait nous signe. Moi, là, c'est docteur. Amen. Ou même qui si bon pour nous. Comment vous ne t'a fait pas louer non, papa? Ou même qui si merveilleux. Comment vous ne pas t'a louer non, Seigneur? Ou même qui c'est sauveur, non? Comment vous ne pas louer non? Ou même qui c'est libérateur, non? Comment pour ne pas louer non, papa? Ou même qui c'est rédempteur, non? Nous bénissons, bon Dieu, pour ça, oui. Nous bénissons, bon gloire, Seigneur, pour ça, au fait. Nous bénissons, bon gloire, Seigneur, Dieu, pour ça, projeté dans la vie, non? Nous bénissons, bon gloire, Seigneur, Dieu, pour la vie, monde qu'on change, n'est-ce pas? Bénissons nos bon gloire, Seigneur Dieu, pour qu'on délivre Dieu. Bénissons nos bon gloire, Seigneur éternel, pour le monde qui va sauver dans l'espace. Nous bénissons nos bon gloire, Dieu, pour le monde qui va ramener dans l'espace. Ça, c'est Dieu. Alors, n'a pas approché, Seigneur, vers la fin de ce programme. N'a pas d'autant pris, mon Dieu, si il y a un monde qui peut te bénir dans le commencement, yo, permettre que, Seigneur, dans le moment ça, soit capable de bénir à la gloire de ton nom. Seigneur éternel, n'a pas d'autant pris dans l'amour, dans la bonté, yo, pour capable permettre que nous tous qui dans l'espace sont capables de sauver au nom de Jésus. C'est pour permettre que nous tous qui dans l'espace ça, Seigneur Dieu, capables de compter parmi ceux-là qui pourraient chanter le cantique de Moïse et de l'agneau. Pas d'autant prie, mon Dieu, pour capable de quimber nous dans la fidélité. Pour capable de quimber nous, Seigneur Dieu, dans la soumission à ta parole. Pour quimber nous, Seigneur Dieu, sur le chemin de Christ. Non, Seigneur Dieu, sur le chemin de la sanctification. Et permettre que mon Dieu, partout où tu es, nous capables de quimber la bannière de l'évangile. Et que nous capables de quimber les dieux. Qui t'es parti là, où t'es dans l'évangile. Mais permettre que Seigneur nous va compter parmi les hauts. Qui représente l'évangile dignement. Parce que nous mettez femme. Toujours mettez mots de témoignage dans la bouche. Non. Toujours ben nous occasion, Seigneur Dieu, pour nous témoigner grandeur. Chasser timidité là. Non. Parce que c'est à travers le témoignage nous qui empile le monde pour le sauver. C'est à travers le témoignage de nous, Seigneur Dieu, qui en pile le monde pour détourner de mauvaises voies. C'est à travers le témoignage de nous, qui en pile le monde pour prendre confiance, Seigneur Dieu. En pile le monde capable connaître qu'il est capable de marcher avec vous, parce que la vie est assurée. Fais-nous grâce, bénis-moi, toi. Bénis ce programme-là pour nous, Seigneur. Et par-dessus tout autre chose, Seigneur, que nous soyons sauvés à la gloire de ton nom. Que l'on soit ainsi, ô Dieu, au nom et par le mérite de Jésus-Christ, petit roi. Dieu tout Amen. Amen, amen. Nous disons merci à tout le monde qui te prend tant pour témoigner grandeur bon Dieu dans la vie. Yo. Nous t'es participé, nous chanter, nous bah, bon Dieu louange. Nous sommes certains que louange nous t'es monté vers le trône céleste et que va déverser sous nous en arrosé de grâce et de bénédiction. Merci, Sœur Maude. Nous remettons un coup. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Sœur Alberta. Et maintenant, nous faisons place à Frère Leslie Boutus pour motivation.
Gauthier, s'ouvre le micro. Il paraît que frère Leslie Gauthier se part. Ah, ok. Amen. Faisais sur toi. Un petit nom qui est très important, je dis à concernant le programme. Nous, le programme n'a pas avancé. Bon Dieu, fait une grande grâce. Il fait une grâce immense. Nous avons passé de. D'ailleurs, il est établi le programme. Et puis, nous, chaque qui a son grâce, bon Dieu, fait nous. Nous avons un programme. Ce n'est pas un acquis, non? C'est une grâce. Attendez bien, samedi, nous ne pouvons pas mériter ça, non? Mais bon Dieu fait une grâce, nous. Attention, c'est que mes frères et mes soeurs, je viens de bon Dieu diriger le programme, non? Eh bien, si nous avons besoin de merveilles toujours, nous prenons chaque point là avec. En main pour nous dire succès ça m'a propulsé m'a marché ensemble avec lui pour que succès a venu en bagaille normal pour nous même je n'a respiré nous allons prendre conscience de ça et bien nous gain succès et si nous gain succès dans ça nous programmer succès à nous faire succès avec Jésus. Nous entrons dans le programme ça où Jésus va nous succès ça. Eh bien, il va venir nous bagaille normal pour nous dans vie nous. Tout ça n'a fait et puis n'a gardé n'a pas succès parce que n'a travaillé pour Jésus. Nous prenons quatre qui important là avec sans participants dans le programme là. Sans participants c'est bon présenter lié pour nous révéler ça dans sans participants. Rien nous gain pour nous faire. C'est mettre zéro à terre pour faire le mien. Ça seulement. Mettez zéro à terre pour faire le mien. Pour faire le mien. On a dit, mais ça fait boutique. C'est samedi, non, c'est ça. Mettez zéro à terre. Et puis, faire le mien. Et puis, arrangez-nous. Nous, les gens, et frère Paul dit nous, on a chanté, chanté. Parce que l'homme dirige un chant, pas fait variation là-dedans. Bah, on a une musique, non? Mais ma parle, non, ça qui gagne. Ça me compte, ouais, musique, c'est qu'à chanter dans le temps à Ebenezer. Les abfons, à l'époque, t'es qu'on gagne. Et exercice de chant. Et bon, frère, il y a quand Salomon, du quand Salomon. Frère, du quand, les grands oreilles très fines pour le temps de notre. Toujours après commencer. Toujours pour commencer. Parce qu'il dit non, l'on chanter, il faut bien chanter. Mais c'est dans l'exercice de chant, ça fait. Mais l'on chanter pour adorer bon Dieu, ça c'est autre chose. Édifié parce que chanter à son prière. Nous féliciter docteur. Ils ont fait louange pour nous là. Bah là c'était bah supérieur. Comment ça pour nous faire là? Nous devons faire un Paul dit que les gens qui ont chanté, ils font mes oreilles. Ils font mes oreilles pour qu'ils chantent lui-même. Chanter et puis faisait ça le bon dit nous. Ou est bagaille le, c'est bagaille pour nous respecter le. Yo dou 9h10h, c'est 9h10h gagné, 10h fini. Ou fini, 10h il est fini. C'est ça pour qui ba nous. Tout ça rentre dans succès, nous besoin. Succès, c'est pas une opportunité, c'est bon, ba un monde jeune comme ça, non? Ou préparer pour venir. Succès, il faut préparer, succès pour venir.
Frère et sœur, slogan nous, quand t'as sauvé, faut nous sauver. Eh bien, c'est pour nous dire, quand t'as réussi, faut que nous réussissions. Bon Dieu, mettez-nous devant là pour voir qui ça nous vaut, ça nous a fait, ça nous voulait. Si nous sommes ça vrai, si nous sommes ça vrai, eh bien, en avance, parce que là, je dis nous, vous voulez comment pour nous faire pas comme si c'est dernier zèle 4 là nous non mais non là c'est dernier c'est lui même qui vient là et c'est comme si sous abdomen ou pas échoué ou abdomen ou pas réussi avec programme GVR là comme si c'est comme si vu comme si ce pire cauchemar ou à vivre l'eau pas gain souci ça pour réussir avec GVR c'est pire cauchemar ou à faire dans la vie. Ou pas qu'à dormir, de vous faire mes yeux, pas qu'à dormir parce que vous pensez que vous pas réussir, ou là, quoi, ou là tout. Mais c'est le pire cauchemar de ta vie. Levez mes tâches, nous dit Jésus, bah, victoire ça. C'est au Kabali, bah, victoire là, c'est ton nom et la victoire. Bah, nous victoire là. Et puis, ou même ça, ou rien pour faire, fait. Ou on dit ça, ou rien pour faire, fait. C'est toute semaine là. Il a parlé de ça dans le son, hein? Frère Paul Harold parlé de ça, frère Ruth parlé de ça, mais c'est ça nous qui pour faire. Nous comptons ça lié. Mais si on a des bagages là, et puis prier des saints, et puis prier bon Dieu, et tout ça n'a fait nous faire à la perfection, et pour bon Dieu n'a fait. Pas quitter l'autre monde, dit nous ça encore, non? Il y a des modèles de monde qui a chanté, chantez ton couillot. Chantez ton couillot, sinon pas chanter. A dit, nous pas capable, s'il vous plaît. Nous ne pas capable. Nous pas besoin de faire personnalité. Tout le monde connaît ça, pas capable. Nous connaissons, nous pas dit nous ça. Moi, je ne pas dit nous ça. Mais c'est pour nous chanter à la perfection. L'arrivée, c'est l'arrivée, pas prendre chance. Ou nous retournons minute. Minute d'arrivée, ou camper, point. Passer mi quoi avec mon cap diriger ou fini c'est qu'on s'abat là pour faire mon vini c'est pour nous sentir bien y a participer non bagaille très planifié et puis au meilleur l'autre monde vini tout frère et sœur que bon Dieu bénisse nous abondamment alors nous nous souhaitons du succès frères et sœurs nous nous souhaitons parce que même là donne tout. Nous nous souhaitons du succès à la gloire de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. 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 Nous disons bienvenue à Dr. Michelet Marcellus, qui est sous panel là avec nous. Nous souhaitons bienvenue, docteur. Et nous voulons prendre une minute pour nous capables de dire nos deux mots sur YouTube là. Actuellement, nous avons 255. Et abonné. Moi, nous avons presque fini. Nous restons seulement quelques jours. Nous prenons le mois de décembre. Frères et sœurs, nous avons souhaité avant l'année à finir, au moins pour nous attaquer 1000. Nous avons 255, nous capables. Si nous voulons, nous capables. Est-ce que nous ne croyons que nous capables, frères et sœurs? Amen. D'ici le mois de décembre, pour nous à 1000. Parce que nous avons un programme pour nous faire, il faut que nous soyons capables de monde sur YouTube là pour nous faire programme. Le programme n'est pas un programme panonier. C'est le travail bon Dieu que nous avons fait. Alors nous tous nous mettons ensemble. Abonnez, invitez amis nous, famille nous, pour nous capables d'abonner avec la chaîne. Partagez, commentez, like, pour la chaîne capable d'avancer vers l'avant. Merci. Et pour nous capables de faire place à Pasteur tant que jeudi, nous allons chanter, chantez-nous. Je suis à toi, mon Dieu, je m'abandonne. Entre tes mains, pour ne servir que toi. Sois mon rempart. Ne permet à personne de me ravir le trésor de la foi. Je suis sauvé, Dieu le dit, quelle grâce.
Christ m'a lavé par le sang de sa croix. Il m'appartient, près de lui j'ai ma place. Il me soutient par sa puissante voix. Je suis à toi, mon noir passé rebelle. N'existe plus devant ta majesté, car toutes choses en Jésus est nouvelle. Mon avenir rayonne de clarté. Je suis sauvé, Dieu le dit, quelle grâce. Christ m'a lavé par le sang de sa croix. Il m'a pardonné, près de lui j'ai ma place. Il me soutient par sa puissante voix. Je suis à toi, sauveur incomparable, qui ne voudrait t'aimer, souffrir pour toi, que jusqu'au bout ta puissance admirable soit mon secours, la source de ma foi. Je suis sauveur, Dieu le dit, quelle grâce. Christ m'a lavé par le sang de sa croix. Il m'a appartient, près de lui j'ai ma place. Soutient par sa puissante voix. Parce que... Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Nous comptons pour l'administration de notre bien-aimé Sœur Maud qui administre le programme long, qui gère le programme long de 9h jusqu'à minuit, bien que c'est lui-même qui passe une parole. Merci Sœur Maud pour votre leadership. C'est très, très bien. Donc, nous venons d'entendre le frère Leslie qui soulignait que nous découvrions notre talent encore, le docteur Alberta, qui est capable de rejoindre rapidement l'équipe de chant de GVA Ministry. Donc, nous demandons à notre bien-aimée sœur Ducasse d'ajouter et notre sœur bien-aimée dans l'équipe de chant. Nous cherchons des talents pour nous capables de rendre le programme le plus efficace. Donc, nous bénissons encore une fois le nom de l'Éternel pour les frères et sœurs qui sont sous plateforme. Là. Donc, à maître reprise que nous annonçons une communauté. Donc, généralement, nous prions, c'est vrai, mais nous ne savons pas où nous allons vraiment. Nous, par contre, qui côté nous praler, nous avons prié. Et la servante du Seigneur dit au monde qui fait toute vie la prier, la finalement pas cesser de prier. La prière doit être une planification, un programme de prière qu'on doit gagner la vie.
Et c'est ça, nous apprenons la plateforme là. Et nous avons prié dans l'équilibre. Nous avons parlé de la spiritualité intégrale. Au fur et à mesure, nous ajoutons des gouttes de formation et d'information sur cette plateforme et de prière. Ce soir, c'est le dernier vendredi, c'est ça, du mois de novembre. Le dernier vendredi du mois de novembre, nous allons méditer un chapitre Bible. Il y a là dans 13 versets. Nous allons méditer 13 versets, ça y est. Et je voudrais avoir l'attention de tout et chacun. Donc ce soir, m'a dit nous que m'a répété un bagage que me dit tout le temps. Le succès, c'est le fait qu'on répète la même action et dans la même direction. Donc et c'est ça qu'on a fait là. Chaque matin, 3h30, on est sur la plateforme, nous prions. Et chaque vendredi soir, 9h minuit, on est sur la plateforme, nous prions. C'est intéressant de voir et plusieurs dizaines de frères et sœurs. Et je vois le frère Joël qui a envoyé invitation à 11h du soir. C'est intéressant, mes frères. C'est intéressant, le ciel content de voir ça. Et ben, nous garantit que nous pas carrément même genre. Regardons avec moi ce soir dans 1 Corinthiens chapitre 13. Tout le chapitre, verset 1 à 13. Il y a 13 versets là-dedans. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13. Et normalement, de n'importe qui monte sur la plateforme là, qui est capable de lire à haute voix et appeler pour nous le chapitre ça. Et puis, après quoi, nous prenons et monde pour méditer pour nous. Est-ce que Frère Gavier veut lire pour nous? Oui, c'est Paul qui lit pour nous, par contre, je vois les signaux. Eh bien, Paul, tu vas lire pour nous? Paul ou bien Gavi, Jean, frère Gavi, oui, n'importe qui. Eh bien, une nous lit pour nous. Gavi, tu veux lire pour nous? Ingénieur Gavi? Chapitre 13, tout le chapitre. Et pendant que l'ingénieur Gavi a appelé, le frère Gavi a appelé, nous appelons nous-mêmes avec yeux nous. Et nous appelons pour nous comprendre. Vendredi soir, c'est un séminaire textuel qu'on a fait. Nous appelons un texte et nous battons pour nous comprendre. Et après quoi, nous allons aller frotter, servir nous ensemble et pour nous garder pour nous. Nous tout de suite là, ça nous comprendre. Même si nous quittons, ça nous quitte pour moi, je vais prêcher là-dedans et je vais finir à minuit, minuit 5. Je vais aller plus loin que ça. Et il faut regarder. Nous allons aller. L'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la
3 premiers versets. Il dit que quand m'a parlé langue des hommes et des anges, si m'a pas gagné la charité, m'a pas personne monde. M'a rien. Quand m'a gagné don de prophétie, etc., si m'a pas gagné l'amour, la charité, m'a pas rien. Ça fait me sentir que ou gen doit a fait tout ça yo puis c'est sous bluff courrier. Donc c'est parce que puis bal pral dit comme ça que puis bal pral dit comme ça que et l'amour, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse. Ça veut dire que quelqu'un doit faire, quelqu'un bagaille, quelqu'un doit faire, c'est dans l'hypocrisie que mieux c'est juste son couverture que bien. Donc quelqu'un doit envieuse et puis à mon ma fonctionnel pas même moi c'est envieuse même c'est sous bluff moi. Quelqu'un doit faire toute bagaille dans l'église, m'a parlé langue, m'a fait toute bagaille qui mentionné en pirouyo et puis c'est sous bluff que mieux. Donc c'est pas un vrai l'amour, bon Dieu appelez-nous à soi pour nous faire tout ça n'a fait vraiment de manière sincère, parce que là moi ouais que lui montrer que capable gagner un manque de sincérité dans action nous c'est capable des actions superficielles que yo yé pour faire paraître en comme couverture, pourtant dans cœur nous ca envieuse, nous ca toute bête, tandis que couverture là c'est le contraire. C'est ça que je voulais dire. Alors bonjour et sinap. Merci, sœur Alberta. Nous prenons. Bonjour. Oui, allô? Vous pouvez parler, vous pouvez parler. Oui, si nous avons considéré verset 5 là, dans le chapitre 13 là, donc la question m'a posé tête moi, c'est que si. Verset ça a été constitué un jugement. Maintenant, de qui est qui t'a capable sauver par rapport à ça que le dit. Il dit non, la charité ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Donc, n'a pas considéré texte ça là pour nous rendre compte que si c'est pas bon Dieu qui volait à ce coup nous, à l'humanité tout entière, n'a pas demandé est-ce que un monde t'a cap camper devant face bon Dieu. Texte ça surtout. Merci. Merci frère Pam. Merci frère Pam. Merci pour votre intervention. Et parce que nous devons faire l'autre lecture, va connaître. Vas-y, allez. Non. Joël, vas-y. Et à ma prière en créole, peut-être que plus on t'a comprendre. Ma PC est le créole là, bien. Même si moi t'a compte parler toute qualité langue, moi parler ensemble avec langue sans yo parler. Si m'pa gen remen nan kem, bel parole moi yo, pas plus passer yon tambour. Qu'a fait en pile bruit. Passé en cloche, cap sonné. Même si on t'a gagné, donc, pour me faire connaître message qui sorti dans bon Dieu. Même si on t'a gagné toute qualité, connaissance, mais si on pas t'a gagné comprendre tout petit secret qui caché, même si on t'a gagné confiance en pile dans bon Dieu. Pour me faire mon yo changer place. Si m'pa gen remen nan kem, moi pas rien. Même si moi ta bay tout bien moi yo. Même si moi ta bay comme moi pour yo boulel. Si m'pa gen remen nan kem, ça pas servi man rien. Moun ki gen remen nan kel, li patience, li gen patience. Li gen bon ke. Li pap envier sol l'autre monde. Li pap fait grandiser. Li pap gonfler ak l'orgueil. Moun ki gen remen nan kèl,
li pap fè anyen ki pou fè moun wont. Li pap chèche avantage pal. Li pap fè kolè. Li pap kenbe moun nan kè. Moun ki gremen nan kèl, li pap pran plezi nan sa ki mal. Li pran plezi nan sa ki vre. Moun ki gremen nan kèl li sipote tout bagay. Nan n'importe ki situasyon. Li toujou gen konfians nan bon Diye. Li pap jam perdi espoi. Lap toujou montre jan li gen patyans. Remen pa jam fini. Pou vwa pou bay mesaj ki soti nan bon Diye, nan men bon Diye a, pa la pou toutan. Pou vwa sou pale langaj. Gen pou fini yon le. Konesans gen pou disparèt. Paske sa nou konen, nou pa fin konen net. Ata mesaj ki soti nan bon Diye, yo, nou pa fin bay yo net. Men, le sa ki bon net la, va vini. Sa ki poko fin bon, gen pou l disparèt. Lem te ti moun, mwen te pale tankou ti moun. Mwen te kompran tankou ti moun. Mwen te fè tèt mwen travay tankou ti moun. Men kounya mwen fin gran. Mwen kite tout sa ki ti moun te kon fè. Kon sa tou, sa nou wè kounye ya, se tankou yon potre. Kap gade yon jan troub. Troub nan yon glas. Men pita, nou pral wè fas a fas. Kounya, nou pa fin kon tout bagay. Men pita, nap konen net ale, menm jan bon Diye konen nou an. Kounya, se twa bagay sa yo ki toujou la. Se konfians, se espwa, se remen. Menan tout twa bagay sa yo, se remen ki pi gra. Parol bon Diye. Merci Frère Joël pour l'inspiration que vous lisez en créole pour nous. Est-ce qu'il y a un monde qui a réagi après le tout ça? Il nous manque 26 Allô. Minutes. Allô? Ça va aussi? La Bible qui montre non, mais qui vrai nature non. C'est vrai nature non en Jésus-Christ. Rien à tuer là, oui. Et c'est notre façon d'être. Notre façon d'être. Et les nous dit ça, si nous voulons, c'est comme ça qu'on nous y est. Si nous voulons, oui. C'est comme ça qu'on nous y est. Ça veut dire que ça, c'est nous capables de lire avec verset qui dit, c'est pour nous né d'en haut, pour nous jeune nature ça. Né d'en haut, ça veut dire né de l'esprit. C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, pour qu'il conduise nous à cette nature, à cette façon d'être. C'est l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu. Oui, mais c'est bon, bagaille nous fait lire, nous commander lire pour certaines personnes. Pour... Non, frères et sœurs, nous aimons. C'est bon, pour nous prendre toute précaution là-dedans, frères et sœurs. Remè an entre dans tout détail, nan façon à garder moun, frères et sœurs, pour qu'on a bail. Faut nous qu'on bail, nous oublier, nous souvent nous traite, nous oublier, bail ça. Nous oublier que moun, nan vis-à-vis, nous, li à l'image de Dieu, li gen bon Dieu nan l'an nous. Lè nous fait un bagay, c'est bon Dieu nous fait le tout. Et lè nous bail aider, moun, c'est bon Dieu nous aider. Mais c'est ça, oui. C'est deux choses maintenant, dis-nous. Ça nous aimons tout le monde, nous aimons madame, nous aimons mari, nous aimons, c'est comme ça nous y est, c'est comme ça nous y est. Parce que, m'a dit non, si bagaille, mes frères, et mes gens, maintenant, c'est là, non? Et moun qui aimait quoi dans celle-là? Moun qui est là, moun en cœur quoi dans celle-là? Moun qui a manifesté l'amour aux uns et aux autres. Sans l'acception de personne, ou remet
Et un point, c'est tout. Alors, si nous voulons une application, si nous voulons une application, si nous voulons matérialiser le texte, là, nous mettons le dans le mode de vie, nous, comme dit nous, en tant qu'épouse, ou remè. Gon moun ki di, oui, la Bible pa di pou épouse yo remè. C'est mari pou remè, c'est ça le di. Il dit oui. Et moun nan, faut pas la pense, on moun ki étudie théologie, qui m'a dit le pasteur, non, m'a dit l'étudie théologie. Il dit oui, quand on voit dans la Bible, moun pou ke pou fi, remè, madame remè mari. Yo di mari remè madame. Il dit, et qui sa pou madame nan fait? Il dit pas répond moi. Et pour ne pas le rendre compte que mon antégraphel dans la tête est bien arrêté, il m'a demandé le divorce, de quitter. Mais mes amis, quand nous parlons avec mode de vie, ça. Quand nous parlons avec lui. Dans qui ciel? Dans qui ciel? Alors, c'est pour vous dire que, à Soya, pendant ce moment-là, nous étudions, bah, là, pendant plusieurs semaines, il y a parlé nous de l'amour, ça, pour qu'il manifeste dans la vie, nous. Et puis, à ce moment-là, nous venons, bon Dieu, mais nous, à un point tel, il voyait. On dit, bon Dieu, le Saint-Esprit, pour faire nos dons, ça, pour faire nos grâces, ça, et puis pour ne pas prendre mais à chaque fois, conscience nous là, oui. La garde nous, la fait ça qui passe à nous. Par exemple, on fait quand même mari dans le bagou. Quand il y a un mousa là, on m'a dit qu'on 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 m'a on frère, on soeur qui a maman, qui a papa, li, la Bible dit honore ton père et ta mère. Il n'a pas fait ça. Comment honorer? C'est aider. C'est même moi qui dit honorer. C'est lui qui ne traduit pas décorer tout. Oui. À travers les œuvres, façon à vivre, ou remen ou décorer. Maman mérite pour maman mettre dedans. Allez dedans pour maman. Papa mérite un autre chapeau. Papa pour un autre chapeau. Quand il a été grandi là-dedans, il mérite pour peinturer, pour décorer. Allez, fongeant. Honore ton père et ta mère. C'est pas là ça, oui. Parce que rien. Alors, frères et sœurs, demandez bon Dieu Saint-Esprit pour nous donner une seconde nature. Ça. Pour nous, on est d'en haut, sinon, nous ne pas sauver. Pas de faire ciel, pièce. Parce que je ne parle pas de faire dans le ciel. Sous pas de rien. Et moi, bonsoir. Merci, frère Lestré. Et la seconde, nous avons parlé. Regardez. Frère Gavé, oui, vas-y. Allô? Oui. Frère oui, Gavé, allez donc. Non, on t'a fait résumer le texte là, comme ça, après toute parole, ça, que nous sommes dit là. Et si nous regardons bien, nous, chapitre 13 là, licencié et thème de l'évêque dans chapitre 12 là, qui te parlé, nous, des dons spirituels. Donc, nous, on est que nous sommes capables de bien. Donc, si dans ça, il n'y a pas manifesté dans l'amour, dans le vrai amour, eh bien, il n'y a pas de Dieu. Hein. Donc, l'amour, ça qu'on a parlé là, c'est l'amour, ça qu'on a parlé à Gapéa, l'amour que on remet mon tout naturel sans aucune condition. Donc, l'amour, ça, c'est lui-même que nous devons et pratiquer la caille. Et donc, capable de faire un pile bien, mais si on fait bien, on chercher gloire par la suite, et c'est pour faire ouais, ou à faire, il n'y a pas dit rien. Donc, et dans la mesure que tout ça que on fait, eh bien, on chercher pour même ou faire ouéter tout, eh bien, les papes utile ou grand chose. Donc, l'amour, ça a que à parler, c'est l'amour que vous gagnez tout naturel pour prochain,
proche pour le monde que vous ne connaissez, mais vous n'avez rien que le monde ça dit qu'il y a un autre statut, qui vit du bonheur. Et pas de l'autre moyen que vous capable acquérir l'amour ça que le Saint-Esprit qui est capable de travailler là même pour permettre que vous gagnez. Et pour gagner, il faut être capable de continuer à étudier, à méditer la parole de Dieu, afin qu'on soit plus semblable à notre Seigneur. Et c'est Jésus, c'est lorsque nous calquons la vie sur Jésus, nous sommes capables de vivre près de l'homme. Merci. Oui, allô, bonsoir. Bon Dieu bénis nous. Oui, oui. Allô, bonsoir. Oui, allô. Bonsoir, ça va, bon. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô. Frère Génie. Bon Dieu bénis nous, bonsoir. Bonsoir. Bon, ça va, frère Pam. Et non, Pam, c'est François, et Frisimé François. Bon, c'est une invitation de Frère Joël Génin. Et moi, t'as écouté avec un peu l'attention, intérêt. Et ça que je voulais dire de chapitre 13 là, c'est que lui invite nous pour nous pas des chrétiens à demi. Ça veut dire, c'est lorsque nous venons des chrétiens complets. Et ça n'a pas capable de manifester l'amour qui parle dans 1 Corinthiens chapitre 13 là. Parce que en tant que nature humaine, nous, c'est seulement si on a un contact, une relation étroite à l'Éternel, on est capable de manifester et l'amour ça. Parce que l'amour ça l'a demandé pour oublier. Oublier était tout pour capable manifester l'amour ça. Donc ça veut dire que quel que soit le monde va faire face de en face lui ou suppose malgré quel que soit ça mon capable faire ou capable manifester l'amour envers monde ça, mais seulement si ou gagne une connexion et à l'Éternel, le ça ou capable manifester l'amour ça. Ça veut dire et demander pour nous tout faire un peu l'effort pour nous capables pas de chrétiens à demi, mais nous capables, lorsque nous arrivons dans un statut chrétien complet, laisse nous capables de manifester bel amour ça, quel que soit nous ça n'a fait, quel que soit côté nous y est, au monde fait nous du tort, nous remercier parce que Jésus-Christ est bien devenu fait malgré tous les bienfaits Jésus t'a fait malgré tout, yo en plus le monde t'a rejeté Jésus. Nous-mêmes et en nous gagnons une relation à l'Éternel complet à demi, les sommes capables de manifester l'amour ça. C'est il y a un pile bagaille pour nous dire, mais nous contentons nous pour nous bagaille ici et définir ça. Merci beaucoup. Merci frère Fizemé. Il est 11h34, nous allons méditer avec nous sur tout ça nous dit déjà yo. Donc, je suis un prédicateur qui apprend de mon auditoire chaque vendredi. Et la profondeur de réflexion qu'on a fait sur des textes, c'est extrêmement important. Maintenant, d'armer que l'homme finit de nous et nous garder le texte là en gros parce que nous presque dit tout bagaille. Même terrain m'étendait notre frère bien-aimé, m'a rappelé maintenant qui dit le gars du verset 5 ans, et puis il pose cette question qui laisse mon cap sauver. Mais à ce moment-là, pour un bagage comme d'amé, partagez avec nous dans le chapitre là, puisque tout est dit. L'auteur de ce chapitre reconnaît qu'il s'adresse à des enfants, à des bébés là-là. Qu'il s'adresse à des bébés là-là et des enfants qui n'ont pas la capacité de penser, de réfléchir, d'organiser une vision. Je reprends ce que je dis. L'auteur les reconnaît, et lorsque le film bat tout gros ces bagages à yo, les reconnaît que et ce sont des bébés là-là, des enfants, des enfants de berceau qui n'ont pas la capacité pour y réfléchir, qui parle de capacité pour conduire une vision. Donc voilà pourquoi le chapitre 13 de 1 Corinthiens, il paraît un défi pour l'Église
il paraît un défi pour les dirigeants parce que nous pas décidé grandir. Nous pas décidé grandir. Pour nous grandir, il faut un plan de croissance spirituelle. Et puisque nous avons un plan de croissance spirituelle, donc ces 13 versets divinés de la mer à boire, divinés un élément difficile parce que nous sommes à l'église sans plan, nous sommes à l'église sans vision, nous sommes à l'église sans la compréhension de l'église. Et ce soir, voilà mes frères, c'est pas l'inba du chapitre là, je sais que vous lisez à maintes reprises et ce chapitre, vous entendez et pas mal de sermons, des tonnes de sermons sur ce chapitre, sur la charité. Mais gros bagage que nous connaissons, que nous pas fait. Nous pas jamais pensé pour que nous arrivions à cette maturité spirituelle pour nous mettre en pratique tel ça. Voilà la raison pour laquelle je vous apporte cette réflexion ce soir. Le numéro un de notre réflexion ce soir, nous obliger, prendre un temps pour nous faire la charité, l'amour, nos préoccupations, l'envie, nous. Numéro un, prendre un temps pour nous faire l'amour, la charité, nos préoccupations, l'envie, nous. Nous ne sommes pas dans le domaine de la théorie, nous ne sommes pas dans la théorie, nous devons passer maintenant de la pratique des choses. Donc, le premier élément que nous avons besoin d'apprendre à soi, c'est pour nous prendre le temps pour nous faire la charité, ça nous aide l'amour, nos préoccupations, l'envie. Nous. Bon, je dis un bagage pour comprendre. La préoccupation, c'est l'énergie que l'homme gagne pour poser des actions en vue de réalisation d'une vision, en vue de réalisation d'un objectif. Et c'est ça, et la préoccupation. De celui qui n'est pas préoccupé, il ne peut jamais réaliser rien parce qu'il n'y a rien préoccupé. Donc ce soir, quand je lis le chapitre 13, je me donne comme préoccupation de prier constamment pour que le Saint-Esprit bombe le don de la charité. Ce soir, d'amener que nous comprenons que en pile et gros, belle analyse faite, gros analyse faite ce texte-là, mais c'est très bien de voir, de parler, de dire, c'est très, très bien. Mais laissez-moi vous dire ce soir, la réalisation que Dieu fait l'envie, la passer d'abord par une préoccupation. Le chrétien, c'est celui qui est préoccupé par ça le doit faire, par ça le doit pratiquer. À ce moment-là, nous besoin pratiquer, nous besoin demander bon Dieu, demander le Saint-Esprit pour le banon et pour le banon pour faire nous grâce à que nous prêts pour nous pratiquer la charité. Maintenant, pour le bagala comme dit nous, c'est la préoccupation. Deuxième bagala, c'est que on prend temps pour prier pour ça. Troisième bagaille qu'on besoin apprendre à soi et à dans chapitre ça, ou commencer à appliquer la charité dans chaque action de votre vie. Et ce soir, nous allons entrer dans un détail qui est difficile, mais qui va aider nous. Aider ni moi ni vous. On a parlé de charité généralement. Ou pas besoin de garder ça, ma soeur a fait, ça, mon frère a fait. La charité pas analyser l'autre. La charité réaliser une auto-analyse. Donc, moun ka parle de charité, moun ka parle de l'amour, premier bagage que le fait, li mettel sur le tableau d'analyse pour le connaître, est-ce que li même li gen l'amour? Nous avons pile monde et qui a parlé, qui dit bon, puisque c'est comme ça y est, moi-même. Non. Le chapitre, il n'est pas adressé à l'amour, il adressé à la veille. Le chapitre, il va avoir un voisin, il va avoir une voisine, c'est à vous l'adresser. Donc, moi-même, à veille, nous avons pour mission pour nous faire naître
l'amour, la charité dans notre société. Ah, je n'ai pas bon à soi. Amen. Si, faut m'entendre nous, parce que c'est Émile, il va aller, il faut m'assurer que je pas dormi. Si, gloire à Dieu, si l'amour pas existé dans l'église kotoria, c'est ou même avec qui est responsable. Amen. Parce que nous avons pour mission de demander à l'Esprit de Dieu de nous donner ce don. Si voisin pas gagné, ça ne m'intéresse pas moi. Si pasteur l'église me pas gagné, ça pas intéressé. Si premier ancien pas gagné, ça pas intéressé. Mais moi-même, en tant que chrétien qui voulait venir, un chrétien mûr, un chrétien de maturité, besoin de demander le Saint-Esprit l'amour. Et bien, me dit nous, c'est une grande mission que nous gagnons. La mission de combattre la haine par l'amour. La mission de combattre les orgueilleux par l'amour. La mission de combattre les prétentieux par l'amour. Wow! Vous pouvez imaginer que vous avez une mission pour combattre les gens qui ont humilié. Ou besoin qu'on ait que la Bible et la Bible c'est pas des idées dans l'air. La Bible c'est des idées pratiques. Et voilà pourquoi ce soir, m'bin di ou que l'orgue l'amour, yo dou tout ça pour faire. L'orgue l'amour, yo dou tout ça pour faire. Mais malheureusement le frère qui garde verset 5 là, il est tellement well difficile, il dit si bah ça mon pas sauver, c'est lui même pour faire même frère. C'est pour lui pour prier même. C'est pour lui pour prier même. Parce que c'est lui même qui élément pratique là qu'il faut ouais la vie réelle ou. On regarde pour ouais les autres éléments. Et en fait, si quand je parlais de la langue des hommes et des anges, et je suis un errant, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien quand je distribuais tous mes biens, tout ça. Mais là, le verset 5 là, il dit où l'amour ça, charité ça, il va faire rien de malhonnête. Nous, toi, malhonnête dans la vie, nous. C'est là où la vie réelle là y est. On parle avec moi, on dit est-ce que ça dit ya ou pas senti malhonnête là-dedans? Ou pas senti ça faire malhonnête là-dedans? On t'a fonti parler avec ou parce que c'est moi qui là pour me parler avec ou. Là on veut un pasteur à l'église ou parce que c'est ancien mais parce que tu es là déjà ou prend les dessus de pasteur à l'administration, on pas senti malhonnête. Yo veux un serviteur au lieu pour ta coréli, au lieu pour ta aideli ou chavirel. Ou empêcher le fait travail là parce qu'on a des amis qu'on connaît. Ou conspirer contre lui parce que ou pas aimer femme tête lui ou malhonnête. Laisse ça ou pas qu'à sauver ou pas gagner l'amour. Laisse tout ça faire. En de l'église à Saint-Intérêt ou pas qu'à faire pour ça, mais on veut prendre quand même, ou pas de temps pour lui, ou prendre quand même, ou malhonnête. Et c'est là, oui, l'élément pratique de la vie. Nous avons un paquet de bagailles dans le bagage. Mais non, écoutez bien, l'élément pratique, l'élément pas là, on s'en met, est-ce qu'on n'est pas malhonnête? Du bagage, on dit, ou méchant, Saint-Intérêt, on va défendre. Assoir ma mon comprendre avec pour sauver bam dou ça m'a dou la bien pour m'assurer que me dit bien les m'rive devant tribunal céleste là pour me répondre à question ça pour assurer au cours sur route pour sauver
c'est pour apprendre gérer intérêt l'autre mounio avant intérêt par. Amen. Et là bon dit ou la Bible pas dit ou pour gaspiller intérêt ou la Bible pas dit pour piétiner intérêt ou. Mais la Bible dit ou c'est pour défendre intérêt l'autre mounio ou pas qu'à vivre ou qu'on est méchant ou qu'on est ou à craser frère pour pas monter la poste ou qu'on est comploté pour commission nomination jeter mon nom après ça va prier avec ou malhonnête ou hypocrite, nous parlons de ça déjà, ou malhonnête, je fais utiliser ça, ou malhonnête, ou pas honnête avec lui. Ou pas honnête avec. Quand vous voulez aller, est-ce que vous voulez faire l'église? Qui quand vous voulez aller, est-ce que vous voulez sauver? Et c'est là que nous avons compris avec, frères et sœurs, bien-aimés, ou camper dans l'église là, parce qu'on a un titre, parce qu'on a gagné une belle machine, parce qu'on a assuré qu'on a mangé. Orgueil ou prend et pour qu'on ait moun sa ou a piétiné ya. Li pa ka répondre avec ou. Hélas. Ou méchant. Hélas. Ou méchant. Et c'est ça qui fait, là nous vini sur plateforme ça, moi pas prêcher pour nous, moi prêcher pour tête moi. Est-ce qu'on comprend à soi ya ou pas ka continuer? Ou pas ta continuer dire ou c'est chrétien et puis pour toute bagarre sans ba mais ou va faire toute bagarre pour bien ça fait l'autre monde parce que ou c'est chrétien tout petit sort avec mal la vie monde ou rapporter yo ou sans charité ou sans l'amour ou pas sauver ma sœur ou pas sauver mon frère. Si l'autre monde dit ou a sauvé, dit pasteur jeudi dit, texte a pas bon doit sauver. Là, ma main a soué, vous comprenez, il y a un peu de monde qui a et qui a tergiversé dans la Bible, qui a parlé français dans la Bible. Bible n'a pas parlé français là-dedans, entendez? C'est apprendre ou à laisser. Apprendre ou à laisser. Et bien, ou l'évangile, tête en bas à balou, c'est pour nous corriger. Nous sommes sauvés par grâce, c'est une vérité absolue. Mais ce n'est pas tout le monde qui a sauvé, parce que ce n'est pas tout le monde qui respecte la grâce là. Les malhonnêtes ne seront pas sauvés. Les orgueilleux ne seront pas sauvés. Les hypocrites ne seront pas sauvés. Pour les sauver, c'est pour les convertir. Amen. Et ça fait à soi, amis, frères et sœurs, bien-aimés, n'avez qu'à comprendre avec nous. Nous bagay ko comprendre, nous t'amna mo comprendre avec. Nous bagay qui passe sous yo ou senti son injustice, yo fait sœur ya. Ou senti son injustice, yo fait frère ya, ou pa gen droit réjou là-dedans. C'est pour camper côté moun yo fait injustice ça pour défendre ni. Défendre ni dans le respect de l'autre, défendre ni dans l'humilité. Défendre-lui dans la charité, mais c'est pour défendre-lui. Il n'est pas bon à soi. Non, mais à soi, avant que je finisse. Et message à soi, avant que je finisse, message à soi, je vais dire un bagaille. Sur plateforme, ça, probablement, on va réaliser les choses. On va réaliser des programmes spirituels. Mais ce soir, pas tenir compte qu'il est 11h50, il est minuit, chaque mois, vendredi, m'la, pas gaspiller ton ma soeur, si pas décidé de changer, pas tourner sur plateforme là. Pas gaspiller ton, si pas décidé de sauver ou pas besoin de tourner. Ça ne vaut pas la peine. Ou pensez que ça vaut la peine? Que moi, ma prêche une semaine de prière, je prêche là à 9h du soir. 8h30, 9h, je finis. Et je juste fini et puis je monte sur ligne, sur ligne ça. Et ma prêche encore, je dis, ah, maintenant, vous pensez que je fais ça yo pour me gagoter santé, pour me gagoter énergie, pour grand merci? Non. Je négocie pas sauver, frères et sœurs.
Asseyez-vous dans la main. Fini texte là pour me dire. Au besoin font il grandir. Parce que verset 11 dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. On a dit, ou t'es l'église là, tout vous me deux pour vous. Ou t'es l'église là, ou intéressant un peu plus, ou intéressant un peu plus. Faut t'as dit, c'est où que t'es fait l'église là, faut t'as dit, c'est où que t'es fait ciel là. Vous équipe mon l'église là, yo pas sauvé à même, et puis yo prend l'église là, puis yo met sur deux. Il va connait rien à sauver, il va sauver pas intéressé yo, et puis c'est eux même qui dans tout bagarre dans l'église là. Ou tellement pas dans sauver, ou pas connait qui côté, ou pas même connait qui côté pour faire rien. Parfois sous cher à faire rien. Assurez-vous dans même tout bagarre frères et sœurs bien-aimés. L'apôtre Paul dit nous, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Vous savez ce que ça veut dire? Même dans l'église, ça ne veut dire rien pour moi. Ça ne veut dire rien pour moi, frères et sœurs. Parfois, ça Christie a tourné une zone macrel, côté que le monde a dû entrer avec crainte et tremblement. Ce qui peut être qu'a fait, c'est jeunes filles, jeunes garçons, qui ont filé l'autre. Parce que vous êtes des bébés là, des imbéciles spirituels. Des égarés spirituels. Ce soir, amis, frères et sœurs, bien-aimés, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Ça veut dire que, au bon niveau qu'on a pensé, ou pas gagné à la spiritualité. Pas gagné spirituel qui traversait ou c'est parce que ou pas jamais prend temps pour demander bon Dieu pour le bon amour. Non mais assurez-vous que ou fait une rétrospection dans la vie. Gardez qui quantité de monde qui te fait confiance qu'on trahit. Il n'est pas bon à ça. Gardez quantité monde qui connaît, gardez quantité monde qui connaît chrétien et puis ou enterré ou tout vivant. Ce soir, ou besoin retourner à la source de la grâce pour dire bon Dieu, quand t'as sauvé, faut me sauver au nom de Jésus. Pour sauver, il faut changer. Pour sauver, il faut grandir. Il faut quitter le stade de mon bébé ça. Pour venir, l'homme fait à l'image de Dieu. Je me dis pour comprendre, il était 6 minutes. Il m'a demandé pour frère Joël, Gélin, capable de préparer lui pour la prière, la dernière prière. Il va le prier pour nous, la dernière prière, c'est lui qui va le faire pour nous. Maintenant, avant que je finisse, gardons un bagage pour nous. Est-ce que petit monde qu'on prend décision? Non. Si c'est Timon, il n'y a pas qu'à sauver. C'est maman ou à papa ou qui sauve pour vous. Assoyez-vous dans la main de mon bagage pour sauver, il faut venir grand monde. Et le monde pas jamais grand monde sans responsabilité. Et je vais une responsabilité à ce pour me finir. Prends responsabilité pour aimer le monde qui raille vous. Prends responsabilité pour aimer le monde qu'on ne connaît. Prends responsabilité pour écrire bien-être le monde qui sur route. Prends responsabilité pour écrire bien-être le monde qui sur route ou pas avec. Ou besoin, prends sang. Attendez bien ça, ma soeur. Attendez bien ça, ma mon frère. Ou besoin prend sang
leur sorti ou à l'église, leur sorti ou à le travail, leur sorti ou à le font visite, leur tourner pour mettre à genoux pour dire bon Dieu merci de ce que moi grandi. Amen. Pour dire bon Dieu merci de ce que action se fait là, c'est action monde qui grandit. Un jour, le frère Lestinitus m'a appelé et pour me dire, pasteur, je suis content de journée sa m'basséa. Parce que m'basson journée m'a béni moun sur route moi. Et puis me répondre, me dit, mon ami, béni de mon Dieu parce qu'on grandit. Béni de mon Dieu parce que mon Dieu boit un autre niveau spirituel. Bon fini. De grâce, ma soeur. De grâce, mon frère. Pas jamais de monde qui grandit sans souffrance. Nous va avec. Pas jamais de monde qui grandit sans souffrance. En ce soir, nous connaissons l'histoire. Histoire papillon. Cette transformation, ça. Et il racontait une leur nos expériences que gagnait une chenille qui la période de transition de fourmi à papillon et puis il y a un monde qui prend un couteau li coupé et processus la campé parce que l'hypote qu'on arrive à terme. Les wap souffri dans l'église là. Leur senti bagayo di pou. J'ai entendu pas mal de témoignages. Les ou senti bagala di pou. Leur senti humiliation en dépassé ou. Leur senti déception en dépassé ou. Leur senti ou pas capable encore ou exactement dans moment côté que wap transformé. Ou ap vini, ou ap passé d'enfant spirituel à un homme spirituel, un homme fait, un homme mature. Continuez di moun ko remen yo. Continuez di moun ko remen yo. Continuez poser des actions d'amour. Continuez faire route pour moun bien, ou pas avec. Continuez faire route pour moun bien. Continuez à poser action pour glorifier le nom de Dieu. Continuez à poser comme un monde aimant, comme un monde qui aime le monde. Pas un monde qui aime seulement, mais un monde qui aime tout. Et fait plein de bien-être pour vous. Pour ce soir, mesdames, messieurs. Yon bagay travail que m'a mes bao li minuit. Yon travail que m'a mes bao. Réfléchis qui moun ko piétiner déjà. Qui moun ko humilier déjà. Qui moun ko fait injustice déjà. Ou pas bien force pour aller demain. Mais commencez prier pour Saint-Esprit animé. Commencez prier. Pour Saint-Esprit fort vini, une femme parfaite, une femme mature, un garçon mature. Et pour gen courage, même un texte message, pour voyer bali pour dire, comment vous êtes? Je pense à vous. Je voyer message pour vous, comment vous êtes? Et deuxième fois, relez-le, priez avec lui, parlez avec lui, et créez un plan de bien-être autour de lui-même. Tu vas rien pour Baal, prier pour mon Dieu bénir. Pour soulager Namou, na Fado, ça Namou a poté. Est-ce que la soeur veut sauver ma soeur? Amen. Est-ce que vous voulez sauver mon frère? Amen.
Il finit. C'est le temps de ce monde qui va chanter. C'est le temps de ce monde. Riche dans d'amour, que cette célèbre flamme en moi brûle nuit et jour. Cet amour si fort, si tendre, amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Pour les autres, il s'oublie, il ne peut être envieux. Tout est l'ange, l'humilie, jamais il n'est orgueilleux. Cet amour peut vaincre et fondre les cœurs méchants durs glacés. Ils ne peuvent rien répondre, l'amour est à terre assis. Devant la cette souffrance, triste et tant de jour en jour, il faut un remède immense, il faut un immense amour, que jusqu'à la mort fidèle, rien lutte en tout lieu. Ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu. Nous prions avec Joël. Dieu est grand. Habite dans le ciel, yo. Nous avons louange, exaltation, depuis qu'on y a jusqu'à l'éternité. Seigneur, merci. Il fait minuit, c'est non plus où mettez-nous. Oh, il y a des gens qui sont dans la cabane, mais Seigneur nous choisit à genoux. Ce n'est pas quoi qu'on a fait, ni tant n'a perdu. C'est parce que nous voulons bagay. Nous lisons. Moun qui pas gagné, mais pour qu'on ait. Parce que ou c'est l'amour. Seigneur, sous votre foi, n'a pas dit nous c'est petit bon Dieu. Mais n'a pas fait, n'a pas pratiqué, d'œuvre l'autre là. Nous dit nous c'est petit bon Dieu, et puis. Nous avons rancune dans le monde. Nous disons ces petits bon Dieu. Nous raïmoun. Nous disons ces petits bon Dieu. Nous choisissons pour nous aimer. Soya. Tandis qu'elle fait minuit, Seigneur. Miracle dans la vie, nous non. C'est pas connaissance nous pas gagner de parole. C'est pas tant nous pas gagner dans l'évangile. Jésus, entrez dans la vie de nous à soir. Entrez dans chaque monde qui est sous cette forme-là. Entrez dans le cœur de nous. Changez les pièces en cœur de chair. Entrez dans la vie de nous à soir, nos papas.
dans l'église, c'est vrai, mais si Marie pas monte, si Marie pas descend, toujours été roche parmi Diri. Ça m'a fait envie de nos papas. Pour nous dire, tout le monde vrai, je dis, nous convertis, Seigneur. Je suis sous plateforme là. Que je suis formé, papa. Et que lorsque nous faisons action, il va dire nous ses disciples. C'est ça, oui. L'apôtre Jean dit dans Jean 13, 35. C'est un monde qui pratique l'amour, il a dit aussi. Ses disciples. Seigneur, souvent, d'abdi nous, ses disciples, mais nous pas rien ça. Pas nous, nous, à souhait. Pas nous, nous. Et par de ça, Seigneur, n'a pas d'eau. Gé moun kap chan nous sous plateforme là. Gé qui passade, Seigneur. Gé moun kap prie au longtemps, Seigneur. Couchez-nous, tandis que le fait minuit. Papa, ou docteur par excellence. Touchez ou qui malade dans le coyou. Par un témoignage tout neuf. Qui est Dieu. Seigneur, change de situation pour nous. Qui est économiquement qui pas bon. Fais grâce à toi. Fais grâce à un petit monde qui pas gagné mémoire. Pas lui mémoire. Fais grâce, Seigneur Jésus. À un monde qui a une lutte de péché la mener chaque jour. Tomber les. Assure-moi la victoire définitive. Au nom de Jésus, Seigneur. Mon papa. Présent, Seigneur. Jésus, remplis-nous votre ta présence, Seigneur. Fais-nous un petit peu maintenant. Ravis-nous. Seigneur, agis, Seigneur. Seigneur, pardonne, Seigneur. Seigneur, délivre, Seigneur. Seigneur, guéris, Seigneur. Seigneur, éternel. Parce que nous prions au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Ce mot. Amen. Réponds à ma prière, Esprit Saint et puissant, et fais-le dans tout mon corps, afin de me conduire. Esprit qui vivifie, répands ta vie en moi, révèle et sanctifie mon cœur qui croit en toi. Et si tu viens surprendre en moi, quelque interdit, fais-le-moi comprendre, sans de mon cœur contrit. Esprit qui vivifie, répands ta vie en moi. Réveille et sanctifie mon cœur qui croit en toi. Amen. Amen, amen. Bonne nuit. Amen, bonne nuit à vous tous. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci pour votre présence sur la chaîne de YouTube. Donc, le rendez-vous, c'est pour dimanche matin, 3h30.